là pour les femmes et les hommes qui sont vraiment moches, mais vraiment qui font tache dans la ville, qui vraiment des têtes de bite. Mais est-ce qu'on devrait les amender? Est-ce qu'on... Il t'est décrit là. Je stimule son sgeg pour voir s'il se réveille. Allez monsieur, allez, allez. À toi là. Circule, va. Oh merde, capitaine, merde. Oh merde. Mais calme-toi. Oh merde. Non, non. Oh, lâche-moi, lâche-moi. Pour de vrai, sérieux, sérieux, sérieux. Bah non. Soit 9 et 18, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle soirée actuellement en LSASP. 69, c'est bon, stop. Ok. J'espère que ça va bien. Pour ma part, ça va super. Et pour votre part, comment allez-vous, mes Coco Pops? Ça va, merci. Les gars, vous savez qu'il y a... 24 pour 50. On m'a dit que vraiment, les gens en ont marre de moi en RP. Ils en ont marre, les gars, de moi en RP, là. Je vais me faire ban, là, bientôt, les gars, vraiment. Ah, je vous le jure, les gars, je vous le jure. Salut, les gars, ça va? Enfin, non! Ouais, mon gars! Non, mais je le sais, de toute façon. Ne me parle pas. Ah, c'est le plus beau chauffe du monde. Je le sais. C'est pas sympa pour moi, ça. On a compris, gros trait sur le. Non, mais non! Mais non, mais c'est un tic de parole! Mais ma mère, je l'appelle mon ref! Mais non, arrête, non! Ah! Quoi, non? Mais n'importe quoi, je suis pas ça! Arrête! Ah, tu me dégoûtes! Mais quoi? Capitaine? Mais je rigole, ta grosse tête! Ah, pardon. Oui? Fais-toi lustrer le crâne là. Qui ça, lui là? Tu chantes dans ta gueule, ton crâne. Et bim. Il a vraiment un crâne, il ressemble à. Il ressemble à NS. Tout petit crâne. Vraiment, j'ai. 69 pour capitaine, vous allez bien? Oui, ça va et vous, bijoux? Oui, ça va, je vous attends au poste pour qu'on parte en sa dame. Mais tout le monde dit 12, le dispatcher va vous dispatcher. Ah, ok, 69, je réalise un 10-12. Un 10-12, tout simplement, c'est une attente de dispatch, voilà, donc n'hésitez pas, ceux qui veulent me récupérer en 10-12, afin que... S'il vous plaît, il faut arrêter tout ça, messieurs, s'il vous plaît. On est au poste, on va le récupérer. Oh, merci beaucoup, madame. Désolé, monsieur Ganongo. Tous, il me faut une unité en plus, là, au niveau du théâtre, pour le... Je vous donnerai un poulet. Canine 50, on va arriver à 10. Merci, parfait. Juste 69. Vous voulez pas faire votre service le plus court de votre carrière, vous vous taisez, d'accord? Ah, vous êtes là? Exactement, oui. Ok, ouais, non, c'est très bien compris, ça va se calmer là. Du coup, 69, vous partez avec 24, ils vous attendent sur parking. Bien réussi. Let's go, je l'ai pas vu de moi. Et mettez votre pote à jour, merci. Non, 24, ça a changé, je pars avec elle. Allez, viens. Ah, allez, viens. Non. Allez, hop. Bah non, t'as dit que tu veux pas aller avec moi. Non, 24, ça a changé, je suis désolé, 24. Elle a dit qu'elle voulait pas aller avec moi, bah tu vas aller avec moi. Allez, hop. Je suis officier de jeu, j'ai le droit. Allez, viens. Mais je suis déjà en Adam. T'inquiète. Allez, viens. Tu vas comprendre, mon gars. Non, mais je suis avec 74. Allez, viens. Madame, venez. Non. Allô, ça me fait chier que tout le temps me dérange, je m'en bats les couilles, ça me fait chier, hein. Donc tout le temps m'appelle pour... 69, c'est 21, ça va? Oh pardon, ça va ma tête? Ouais, voilà, oui, moi j'avais très bien, oui. Dis-moi, apparemment ce soir je peux pas passer ma First Lincoln parce que toutes les personnes avec qui j'ai fait des patrouilles n'ont pas fait de rapport routier sur moi. Donc si tu voudras bien en faire un sur moi, ça me ferait très plaisir, 69. On en change de quoi? Bah parce que c'est censé être ton boulot, tu es censé faire des rapports rookies sur les rookies avec qui tu patrouilles. Est-ce que tu peux parler avec un peu moins de joyeurisme, s'il te plaît, quand tu m'énumères? Écoute des problèmes, tu peux enlever ton sourire quand tu me parles. Je m'occupe toute seule de l'individu qu'on a arrêté ensemble, là. Dans ta gueule, et voilà, et ferme ta gueule. Déjà pour commencer, merde, t'es là, tu me coupes mon travail déjà, tu me crées des soucis. C'est, ah, à un moment donné, collègue, ça va être ça. Donc maintenant... Non, y'a pas de soucis, 69, mais si tu veux bien essayer de faire un rapport de me draguer. Tu arrêtes de me draguer, s'il te plaît. Tu arrêtes de me draguer. Oui, ça doit être ça, c'est vrai. Tu arrêtes de me draguer. Tu veux lancer une traîne comme Choco, c'est ça? C'est ça ce que tu veux? Tu veux du buzz? Choco. Bon, 69, bon travail à vous et bonne... T'as dit quoi? Bonne soirée. Ça, bon travail, tu veux que les gens ils disent Monsieur Well, il sort avec toi là? Ça arrivera pas, ça. Bah voilà. Bah donc, à un moment donné, bah, je vais te faire ton rapport au qui, vas-y. 69, bonne soirée. Ouais, je vais faire ton rapport au qui, là. Pour dispatcher, voilà, 24 veut pas patrouiller avec moi, donc si quelqu'un d'autre peut me dispatcher. On est au PDP, on vous a dit. 03, vous restez avec 88 et 69, il va partir avec 24.
07, on part en D56 d'une oracle. T'es mal, les gars, t'es pas quand je vais mettre dans la merde. T'es mal quand je vais mettre dans la merde. Mais dispatcher, là, quand on se voit dans la vraie vie, ils disent qu'ils veulent pas aller avec moi. Et en radio, ils disent qu'ils m'attendent, c'est pas vrai. 109, je viens de voir 24, s'il vous plaît, il a dit qu'il vous attend sur le parking, donc partez avec lui et voilà. 50, on t'attend. Allez, 24, on y va. Tu casses le cul, toi. Allez, 24, on y va. Vas-y, sors ta voiture. Allez. T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils mettent les noirs ensemble et les blancs ensemble, c'est raciste. C'est un tri sélectif. Oh, bonsoir, mes respects. Mes respects, attendez. Attendez. Voilà. Mes respects. Oh, repos, oh, oh, oh. Oh, l'Amérique, je l'aime comme monsieur le gouverneur. Les Arabes, c'est dehors. Voilà. Les Latinos, les Latinos. De 55, c'est qui s'est occupé de Juanito? Et bientôt, les... Est-ce que vous avez remarqué un changement chez moi, Bijou, ou pas? Bien sûr, les lunettes, le costard, le style, les cheveux. Un autre changement, s'il vous plaît. Moi, je l'ai remarqué, moi. Le charisme. Est-ce que ça a changé le charisme ou pas? Oui, c'est un peu. La moustache changé, oui. Ouais, mais non, mais c'est, non, c'est plus flagrant. L'agent qui s'occupait de ah ouais, votre voix CPH, s'il vous plaît, merci. Parlez. 76, procédure. T'as vu, là, je parle. Voilà, quoi. Ah ouais, c'est une voix. Ouais. C'est une voix à 600 balles. Dans le cul, quoi. À 200. C'est une, ouais, c'est une voix à 200 balles, ça. Regardez la liste d'en. Ouais, bah ouais. Ok. Ouais, non, mais après voilà, moi, c'est une voix à 300 qui est branchée directement sur un. Voilà, donc une. Sur un moyen à 600 balles. Ouais, sur un moyen à 700. Donc après, c'est redirigé directement là-bas. Donc ensuite, là-bas. Donc on l'a branché. Je rêve de ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes réitérer la. Non, du tout, monsieur le gouverneur. Il n'y a pas plus meilleur que vous, monsieur le gouverneur. Il va vous dire que c'est pas un concours. À quelle heure? À 22. 22h combien? C'est où le discours? Ce sera à l'amphithéâtre. J'aurais besoin d'un agent du SASP qui parle. qui soutienne mes propos. Monsieur le gouverneur, vous avez votre âme en face de vous. 96 pour 18, est-ce que vous avez votre âme? Il a jamais été aussi avec vous que tout le monde. Allez, chiche, je vous autorise à parler. Discours, je vais appeler un agent du SASP. Vous ça sera du sérieux. Écoutez, je vous poserai une question et vous répondrez, ok? Très bien. Ouais, pas de soucis, je répondrai bien évidemment dans votre sens. 22h30, hein, là. Là? Ah bah go, on y va. On patrouille un peu là 5 minutes, après, à 30, on sera là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a besoin de sécurité, quoi. Stay safe. Ouais, aucun souci. Donc vous allez dire, un policier veut parler, et hop, je lève la main. Et on scripte, c'est moi qui passe. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est scripté, ok? Ok, c'est pour une dictature, quoi, en gros. Les grands mots. Tout de suite, les grands mots. Pourquoi Boubacar et Mustapha, ils sont habillés en tenue de militaire, là? Mais Kounia Mama ou Boubacar? Messieurs, me tiens des cœurs, commencez pas vous! Non mais toi, mon chapeau du Congo, nous sommes en Amérique! Toi, tu sales les épices! Tu sales les épices! Moi, c'est un vrai américain, toi, tu es faux! Non mais toi, tu vas arrêter tout court! N'oublie pas, tu es venu en bateau déjà pour commencer! Ensuite, tu me parles! Moi, je suis venu en avion, j'ai les moyens! J'ai pas les moyens, toi! Moi aussi, mon papa, tu crois? Tu crois, je sais pas, tu as fabriqué une pirogue pour venir! Mais Kounia Mama! Qui a la coupie? Salopard! Hop là, couteau dans le dos! Hop là, couteau dans le dos! Ouais, tranquille, voilà, ça va bien. Voilà, parce que tu mets un couteau dans le dos, donc t'es censé avoir mal, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc voilà, non, directement! Ziak! Ça, c'est des vrais couteaux! Voilà, c'est important! C'est important, messieurs, de voilà, rester dans votre pays! Non, le connard ici, c'est pas moi! Ah! C'est toi! Donc vous décidez que le connard, c'est moi? Ouais, le connard, c'est pas moi! Donc le connard, c'est moi! Attendez! Exactement! Attendez! C'est moi! Ouais, non, ouais, c'est toi, c'est pas moi, parce que moi je suis quelqu'un. Donc c'est moi. Ouais, toi c'est le connard, moi je suis bien. Donc c'est moi. Donc c'est lui. Exactement. Attends, donc c'est moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est non, toi, mais c'est voilà. Pas moi. Ici, s'il y a bien un connard entre non, nous, c'est pas moi. C'est pas toi. Moi. Si, le connard. Non, mais c'est pas moi. Non, vous êtes le connard. Moi je suis. Non, mais c'est pas moi. Non, toi tu es salopard. Non, toi tu es connard. Non, toi tu es chauve salopard, moi ça va. Non, toi tu es nous. Non. Oui. Loupé. Hey Monsieur Bijou, c'est pas moi, c'est vous. Non, c'est nous. Non, c'est nous. Non, c'est vous. Moi, c'est noir et fait des lettres. C'est lui le salopard. Toi, en fait. Toi, tu es faux. Moi, si BLM. Non, moi, je suis BBC. Moi, je suis BBC. Moi, si BMW. Moi, je suis BBC. C'est bien. Allez, go, c'est parti. Voiture, bordel de merde. Allez, bisous. On a compris votre investissement, Monsieur Gouverneur. On a compris. Hey Je n'ai pas trop, vous êtes déjà cassé, monsieur Gouverneur.
Oui. Calme-toi. Allez, 24 montres. On va avec te tape là, bêtement comment ça, là. Comment ça tu me tapes là? Comment ça tu vas me taper toi? Pas mal le pilote. Ça, à chaque fois j'ai du mal à démarrer. 69 ah ouais pour mon commandant, vous êtes là? C'est pas le commandant, c'est cool. 16 à 50. Ah bah c'est pas ça grave alors. J'ai besoin de chien à l'entrée là. Merci Bao pour 14e mois. Merci Frogib. Attends, tu vas vraiment prendre la... Attends, bijou. Quoi? On va juste réparer la voiture. Vas-y, va réparer la voiture. Tu vas vraiment prendre la parole là au Discord? Bah oui, bien sûr, mais je dirais je prends la parole. Adam 69, on va se rendre au discours du monsieur le gouverneur à 30. Et les collègues, roulez vraiment, respectez le code de la route même si on est policier, parce que je vois des patrouilles, c'est aberrant. CSC la bijou, taisez-vous. Ah là. Bah, même plus faire de rappel quoi. C'est... Oui. Oh pardon, désolé. On plaît. Pardon, désolé, ça arrive, désolé. Ça va pas la tête. Oh là madame. C'est bien. Oh là. Vous m'avez agressé. C'est bien et tout. Bah non monsieur, on respecte les LBGT monsieur hein. Et qui est LBGT? Bah non mais par rapport à votre chapeau. Ado habla Merci Quentin pour le dire moi. Je comprends pas LBGT. Ah vous êtes Titef monsieur? Non. Vous avez la voix de Titef? Mais non, c'est pas Titef lui, c'est... Moi c'est Pipo. Vous savez que je sais faire la voix de Titef? Attends, vas-y. Oh merde. Attendez, j'avale ma salive. Attendez. Je la vois cassée, je prends les lysopines. Oui, prends des drills. Ah ouais, prends du musper de chameau. Alors attendez, écoutez. Ouais. Pour vous, je vous fais la facture. C'est lui qui paye. Madame, regardez, écoutez la voix. Attendez, 3, D, 1. Joe, non, Joe. Tu peux demander à Manu qui va se reculer. Il y a un truc, hein. Ouais. En fait, c'est vraiment un truc. Je sais juste faire le Nadia. Regarde, attends. Joe, non, Joe. Ouais, là, il est bien fait, là. Oh, la dinguerie. Ouais, là, il est bien fait, là. C'est incroyable. Moi. Vous êtes trop fort, monsieur Chauve. Et regardez, c'est faire aussi Karim Benzema. Aqua Boulevard. Boum. Vous avez vu? Ah, ça au fait revoir, rire, hein. Monsieur. Au revoir. Bien sûr. Au revoir, Madame, vous, en tant que raciste, madame, voilà, tu t'es acheté. Comment ça, ta gueule? Comment ça, ta gueule? En tant que raciste, madame, dans la jungle, il y a des singes aidés. C'est loin. Je ne répondrai pas. Oh, bah, pourquoi vous répondrez pas, madame? Bah, dans la... Je ne réponds pas. Regarde, collègue, dans la jungle, il y a des singes aidés. Des lianes? Voilà, bah, vous, madame, dans la jungle, il y a des... Ça va bien se passer, Romano. Dans la jungle, il y a des singes aidés. Et des lianes. Non, tu peux pas répéter. Oh, oui, bah non, si, madame, je répète la même chose. On va trouver un mot. Il y a des guépards, des insectes. Il y a des cafards. Ok. Alors, non, il n'y en a pas dans la jungle. Bah si, du coup, c'est un insecte. Dans le désert du Sahara, il y a des chameaux et des... Et des palmiers. Et non, et des arabes. Et des arabes, donc voilà, il y a des arabes dans le désert du Sahara. Bah oui. Mais c'est dommage, du coup, les racistes, ça veut dire. C'est là du mal à répondre. Je suis pas raciste, non, je suis pas raciste. Juste, on vous amende de 5 dollars. Ben pourquoi, du coup? Moi, je vous amende de 250 dollars. Bah non, nous, c'est pour les enfants malades. Merci, Yona Barin, pour le 3e mois. Vous voulez faire un don plus élevé, madame? Oui, l'association bijoux. Oui, faites un don de 100 dollars. 100 dollars? 100, oui. Aucune raison. Vous savez, l'association bijoux, elle est débile. Incroyable. Et du coup, en fait, bah, c'est lui, du coup, le gérant. Voilà. Donc voilà. Et aussi le gérant du quartier. Donc en fait, c'est un couscous, tous pour un. C'est le nom de l'association. Donc incroyable. Voilà. Un couscous. C'est monsieur Arbouni qui l'a fait. 14-3. Très bien. Monsieur Arbouni. Si on se recroise, du coup. Vous connaissez monsieur Arbouni? Non, je ne connais pas. C'est le grand philosophe qui a dit qu'il y a l'islam et il y a l'islam qui n'est pas. Quoi? C'est celui qui a dit. Il n'y a plus Inch'Allah, mais il y a Franchallah. Quoi? Vous connaissez pas, monsieur Arbouni? Non, je ne connais pas. Mais celui qui a dit aussi qu'il y a les Syros, les Syros, il y a... en fait, dans la France, il y a les Syros, il y a les girafes, avec le cou, les petits coups, et avec le grand cou, il y a les Syros et les petits Syros. Avec les petits cornes. Il y a aussi l'éthylope. L'éthylope qui. Avec les petites cornes, le moyen corne.
D'accord. Ouais. Donc voilà, et dans l'Amérique, il n'y a pas les musulmans, les bouddhismes, les astis, les Jésus-Christ. Et on est tous toutes nus. On est voilà, on est tous nus, on est tout nus. Ça va aller, je passe pas le bac. Ah, passe pas le bac là. Donc voilà. Calme-toi. On n'est pas dit on voilà, on suit on peut pas. On est tous unis. On peut pas parce que sinon on veut tous se suicider. Waouh. Waouh. C'est de très belles paroles. Ouais, c'est profond, ce que vous me dites. Oui, parce tu es notre sauveur. Ça, voilà, bah ça, c'est l'islam qui fait peur. Ça, c'est l'islam qui fait peur, ça. Ça, si vraiment, c'est... Pourquoi vivre pour se suicider? Ils ont pas la rêve. Là, tu portes très bonne question. Bon, allez, au revoir, mesdames. Mais c'est drôle parce que vous avez pas la rêve. C'est quoi votre prénom? Bah non, du coup, Sienna. Tango 07 et 10 21. Capitaine, s'il vous plaît, moins rapide, vous allez trop vite, vous êtes trop fort pour nous, vous êtes trop musclé, capitaine. Bah là, vous avez la ref, les gars, chat. On doit aller où, l'amphithéâtre? Bah ouais, le discours, il est 34, t'as 4 minutes de retard. Tête de quoi? Tête de neuil. Non, mais il va être en retard aussi, hein, ça y est. Après, c'est mon blanc. Et Adam 69, 10-19 sur l'amphithéâtre, les collègues, pour la sécurité du discours. Biscat! Biscat! Oui. Copie. 88-19 dans la dernière, 64. Copie-coller. Je vais vous gommer, hein. J'aurais tout tué. Avertissement pour soir. Bijou, j'ai une vraie question. Oui? C'est quoi tes ambitions au sein du SASP? La vie de ma mère, aucune ambition, collègue. Vraiment, c'est juste. Je vis chaque jour comme si c'était le dernier, collègue. Vraiment, il n'y a aucune ambition. Mais je vois ça. Mais que Dieu m'en soit témoin, ma seule ambition, c'est de m'amuser tous les soirs. Vraiment, je m'en fous. Mais franchement, tu nous amuses et ça, ça fait plaisir. Ça mais, fait. Ça, mais collègue, voilà, je m'en bats les yeux, collègue. Moi, je vis chaque jour comme si c'était le dernier jour que j'ai en tant que police. Hé, hey, il est en panne. Et toi, tes ambitions, collègue? J'ai pas d'ambition, je t'avoue, je m'en fous un peu aussi. Juste arrêter tous les maghrébins, tous les... Tous les quoi, collègue? Quoi? Non, j'ai dit tous les spécimens qu'on trouve dans la jungle. Bah oui, waouh! Bonsoir! Bonsoir! Voilà, c'est bon. Je suis désolé, ça bip beaucoup. Oh merde, pardon. Je suis désolé, ça bip beaucoup les collègues. Demoiselle. Merci, palpation. Ok, votre couteau dans la petite boîte. Ça va, Manza. Ah oui, rien de bonjour. C'est normal, madame. C'est la nature. Hein. Oh, agression sur agent, les collègues, agression sur agent. Agression là. Agression. C'est. Ok, parfait, c'est bon. Vous pouvez aller, vous avez l'air. Ouais, c'est bon, vous avez l'air. Non, mais je comprends. Souci. Ça commence à bien faire vos talons. Je suis pas un garçon facile. Ah, je suis un garçon con. Oui, je suis encore mort. Exactement, j'assume la sécurité du périmètre sécuritaire. Cependant, madame, si vous avez besoin pour votre sécurité... Moi, je vous le dis, madame, il vous l'a répété. Excusez-moi, la collègue. Il vous l'a répété 5941 fois. Parlez moins fort, les gars. Pardon, chef. Merci. Ah, madame. Bonsoir. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, excusez-moi au téléphone. Oui. Excusez-moi, monsieur. C'est pas un garçon facile. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, juste, les SDF ne sont pas acceptés. C'est quoi ça? Mais qui vous dit que je suis SDF là? Bah, votre barbe, votre odeur, votre teint de peau. Mais j'ai juste passé une sale soirée parce que ma pute m'a quitté. Mais moi j'ai passé une sale soirée là, putain. Oh là là, c'est quoi? Tu as mangé du poulet? Mais c'est pas parce que non, rien. Je suis sous les pompes que je suis SDF. J'ai mangé du poulet mais il y avait pas bah, si, du coup. Comment tu vas? C'est doux? T'as bien? Ouais, très bien, c'est doux. Non vraiment, tu sais, il y a avec quelle dame? C'est avec 24 ici, présent là. C'est qui 24? C'est pas lui, de là. C'est moi. De là. Ah, d'accord. Dis-moi, c'est d'où? Tu aurais dû venir avec nous. Tu as passé bon zoné?
Mais oui, il y a une donné. C'est d'où tu es fort à Fortnite? T'as dit quoi? Tu es fort à Fortnite? Non. Oh, une petite bricole, quoi. Mais je dois assurer que tu es nul. Avec les builds. Mais quand il n'y a pas, c'est nul. Non, il faut que j'apprenne. Hein. Ok. Pourquoi? C'est quoi? Donc médecin. Parce qu'il y a un tournoi. Il y a un tournoi de qui? Il y a un tournoi. Il y a un tournoi bientôt. Celui à 200k? Oh non, oui, 200, ouais. Ouais, 200k, ouais, ouais. 200 caca, ouais. Ah, du Mexique? Ah bon? Des caca? Ouais, enfin non, c'est pas du caca, mais c'est 200, quoi. Mais pourquoi quand je parle avec toi, je prends ton accent? C'est purée, c'est raciste. Mais quoi, mais tu es congolais, non? Oui, je suis congolais, mais pas autant puissant que toi. 99, mets ton GPB. GP quoi? GPT. Hey! GP quoi? Tu as mis un D à la fin? Merde. Oh! Arrête. Hey! Yes, I! Après, si. Non, mais nous, il n'y a pas de soucis, mais. Waouh! Oui, rappelle-moi Cabron. J'arrive, j'appelle important avec une Oxtag. Capitaine, réponds à l'appel, s'il te plaît. 250, s'il vous plaît, je veux que chaque unité me fasse une tirette de là où ils sont. Et merci Runi pour le 4 et moi. Les agents dans la patrouille, s'il vous plaît. Madame 69, oui, capitaine, vous. 69 de 24, on est actuellement. Merci Runi. Allô, bijou. Oui, capitaine, vous êtes fort à Fortnite. Madame 09. Ça va, pourquoi? Il y a un tournoi à Nobuild là, vous avez un duo ou pas, capitaine? 94, mais moi je sais pas jouer à Nobuild. Ah merde, fais chier. Moi je sais jouer, tu sais, moi je sais faire des 95 et tout. Bah ouais, c'est des 95. Non, c'est des 90, bah, oui, ok, vous êtes drogués, ok. Ça marche. Bah, si vous avez pas de duo, vous me dites d'accord. Ah bah ça me fait plaisir que vous avez pensé à moi, mon bijou. Bah y'a pas de soucis, capitaine. Ok, bah écoutez, je vous envoie ça par, je vous dis par mail. Vas-y, ça marche, vous me dites. Allez, 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 bisous. Allez, au revoir. 88 composé de 21 et 88, on est actuellement en code. On va passer en code 4. Je vous ai fait un clear des coffres là, en cellule, mettez pas de code à part si tu utilises le micro. Les gars, on n'a rien. Je vais vous répondre. Vous entendez, mesdames? Je crie. Crier, oui, c'est bon. 69, coupage de radio pour discours. Aujourd'hui, à San Andreas, des agents se font braquer et des EMS aussi sont amenés parfois à se faire kidnapper. Pas trop. Sachez, chers citoyens, que je prends très au sérieux les dires et les retours que vous pouviez nous faire. Wesh, Déma. Je les écoute. Et j'essaye d'aviser au mieux le viseur. Un gouverneur, les gars, avec l'armée comme ça à côté. Soit de telle que vous puissiez dormir sur vos deux oreilles. Mon rêve demain serait que les citoyens de San Andreas sourient. Mon rêve demain. San Andreas. Que les citoyens de San Andreas se tiennent la main. Voilà, ils sont pas des couilles de son peuple. San Andreas. Que l'amour et la paix. Et que San Andreas. Unité, mais malheureusement, vous le savez, dans la vie, sans André dans la chaque reste. Société, nous sans adresse, pas être unité. Avec tout le monde. Il y a aujourd'hui de la vermine. Voilà, ça tue. Ils s'en battent les couilles. Il y a aujourd'hui des menaces qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'aimer. Il y a aujourd'hui la haine qui envahit nos rues. Je vous l'ai promis lors de mon premier discours. La tolérance zéro avec moi ira de telle que vous pourriez enfin sortir chez vous avec la paix. Mesdames, messieurs, je vais annoncer plusieurs choses. Sans André Lardes, s'il vous plaît, de tous les écouter. Et les gars, venez, pourquoi ils aiment pas les blédards sur Flashback? J'aurais parlé comme chez le Goumi. Alors, imaginez un perso chez le Goumi, les gars. Belle pomme de terre. Imaginez. Je vous promets. Oh là là. Je n'irai pas être heureux. Oh là là. Chez le Goumi en RP, les gars. Les suivantes. Oh là 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 là. Dans un premier temps, le SASP. Monsieur Harfani, un modifié de blaze. À 100% sur la croissance. Monsieur Harfani. Dans nos rues. Moi. Dans un second temps, j'annonce. Je suis quelqu'un qui veut que l'Amérique et le. Absolument tout le monde. Oh, ça peut être vraiment trop drôle! Elle s'appellera. Walla Wenger! La brigade Warner. Elle aura pour but d'exécuter tous les ordres du gouvernement publiquement pour que vous puissiez. J'ai juré, les gars, je vais soudoyer JL Tommy. Cette brigade ne vous rassure. Je vais le supplier. Ne possédera pas d'armes létales. Ce sera une brigade. Je vais lui dire, ça y est, promis, c'est fini! C'est fini les émissions avec les DVM, c'est fini! Maintenant, chers citoyens. Passons au plus croustillant. Je vais donner la parole à un agent du SASP.
qui va vous expliquer actuellement le ressenti qu'il a dans sa profession. Et après, je donnerai la parole à un EMS qui vous donnera le ressenti qu'il a dans sa profession aussi. Pour que vous puissiez comprendre que mon point de vue, ce n'est pas... Merci Starsky, pour ce qui est moi. Point de vue. Oh merde général. Mais qu'est-ce que je dois dire, les gars? J'ai peur. J'appelle monsieur l'agent Bijouel. Oui! J'ai levé la main, vous m'avez vu? Comme par là. Bah, déjà, pour commencer, merci beaucoup à monsieur le gouverneur. Non. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour d'accepter la prise de parole de ces agents du SASP et l'importance qu'ils donnent à la police. Hein, voilà, c'est très honorable. Il faut savoir que monsieur le gouverneur vient nous voir presque tous les jours, si ce n'est tous les jours, pour savoir comment on se sent au sein du SASP. Et c'est un honneur, vous permettez que je vous serre la main, monsieur le gouverneur? Oui, bien sûr, voyons. Malgré le fait que je sois assez sombre, voilà, c'est vraiment très honorable. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Comme vous pouvez le voir, monsieur le gouverneur n'est pas raciste. Je suis noir et il m'invite sur place, donc il n'y a aucun racisme, voilà, c'est incroyable, on vit bien. Monsieur le gouverneur nous a jamais dit que les roues c'était interdit. Il nous a jamais dit que on devait attraper tous les afros de la ville. Jamais de la vie. Vous allez exterminer toute la vermine de San Andreas. Pardon, vous avez dit quoi? Vous dites que vous allez exterminer toute la vermine de San Andreas. Très bien. Et voilà, nous, on se sent vraiment très très bien. Et même sous les ordres sont incroyables. On a de l'action. Il a dit qu'on va exterminer toute la vermine de San Andreas. Et c'est ce qu'on va faire, nous, la SSP. On est prêt à exterminer toute la vermine, dont les a... Les sans-abri, c'est ça, merci beaucoup, monsieur Bijouel. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, monsieur le gouverneur. Check it down. Monsieur, vive le gouverneur, vive l'Amérique. Bien, maintenant, je vais laisser un EMS, Linden. Je vous invite à monter sur la scène et expliquer votre ressenti sur votre situation. Putain, mais il a dit arabe, je pense pas qu'il allait le dire, wesh. Je vous tire la main, monsieur Linden. Bon, bien sûr. Allô. Enchanté, monsieur le gouverneur. Oh, là, c'est du sérieux, là. Eh ben, écoutez, beaucoup de travail chez nous, à l'hôpital. On a eu énormément plus de... Plus la merde, mon discours, les gars. Verbales. Bien sûr, au début, il était bien, mon discours. Il était sérieux, il était propre. Hein. Ce virus qui s'est propagé. Bon, pour l'instant, je vous rassure, hein, on est encore loin d'une épidémie. On a eu très peu de cas avérés. Mais voilà, soyez prudents. Et voilà, soyez prudents. Et on est là pour vous soigner, pour vous venir en aide en cas de besoin. Comment? Bien sûr. Merci à monsieur le gouverneur de venir nous voir régulièrement. C'est pas de vache. Ah oui, tiens, bien sûr. Il a dit, il a soufflé à l'oreille. Non, cher citoyen. J'annonce aussi. C'est ça, bon, c'était pas le plus. Voilà. Lui, il sait plus que moi. Il y aura la somme de 2 millions de dollars qui sera redonnée au citoyen qui me redonnera en possession l'œuf d'or. Que j'ai perdu encore une fois, car en ce moment, mes bijoux se font pas mal voler. Après, d'abord, le collier de Marie-Antoinette. Et aujourd'hui, le collier d'or. Parle de ses couilles, voilà, elle est très, elle est très bien celle-là. Celui qui me le ramènera. Bien sûr, en toute égalité. Ici, on ne se salit pas les mains. Chers citoyens, avez-vous des questions? Oui, monsieur le gouverneur? Oui. Oui, pour les enfants malades, que comptez-vous faire, monsieur le gouverneur? Alors, tous les enfants malades d'Inglewood seront écoutés à Cayo Perico avec les parents. Dont les handicapés? Oui, les handicapés aussi. Il n'y aura personne qui sera mis à l'écart pour leur bien. C'est pour leur bien. Très bien, merci beaucoup. Avez-vous c'est quand qu'ils vont démissionner? Ils seront envoyés sur Cayo Perico. Qui c'est qui a dit ça? C'est moi. Bah quand tu seras beau gosse. En fait, pas flopper. Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il va y avoir des permanences SASP ainsi que SAMS à Cayo Perico? Bien sûr, on va pas laisser de côté les habitants d'Inglewood, on va tous les soigner un par un. Je sais que ça va être très dur pour eux, mais ils vont devoir changer de quartier et habiter à Cayo Perico pour, je pense que ça va durer 2-3 ans, quoi, pas plus. Oui, monsieur Well. Oui, monsieur gouverneur, en tant qu'SSP, j'avais une question. Voilà, pour les femmes et les hommes qui sont vraiment moches, mais vraiment qui font tâche dans la ville, suceur, vraiment oui. qui vraiment des têtes de bite, est-ce qu'on devrait les amender? Non, mais est-ce qu'on devrait les amender? Il t'est décrit là!
Alors oui, en effet, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une loi qui est en train de se faire passer à débat. Toutes les personnes désagréables à regarder physiquement se verront amendées. D'accord, très bien. Vous allez prendre cher, monsieur le gouverneur. Alors. Très bien. L'obésité sera potentiellement, officiellement interdite sur San Andreas. Ah, une bonne chose enfin. Pour les bienfaits des transports en commun. Ils prennent de la place, c'est vrai. Bien, avez-vous d'autres questions? D'autres questions peut-être, je vous écoute, hein. Faut pas être timide, peut-être des peurs. Vous avez parlé de la sécurité des civils. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de la sécurité des entreprises? Parce qu'actuellement on n'a aucune agence de sécurité et de plus en plus de entreprises sont braquées. Ça me fume de fou, voilà. C'est très borderline, hein, c'est très borderline. Je vais laisser ma prétère Fallon nous répondre. C'est une dinguerie. Alors, pour les entreprises et pour votre sécurité, tout est en train de se régler actuellement. Non, la chute de la ville, le pire gouverneur. Pour qu'on en parle plus profondément, mais c'est il y a 300 personnes sur le serveur, Samir. Le kurde. C'est profond. Et est-ce qu'on peut avoir des mesures sur le fait que vous travaillez sur le sujet? Peut-être annoncer des mesures actuellement? Actuellement, non, mais... Elles sont encore sujet à débat. Elles sont encore sujet à débat et on vous en parlera très rapidement. Et pour les entreprises d'accord. qui doivent payer leurs employés après 2 mois de retard, comment ça se passe? Qu'on attend toujours là? Ils sont encore sur du débat, c'est encore en train de se faire débat. C'est encore en train de passer au débat, en fait, tout simplement. Ah, mais c'est simple, si moi vous me payez pas, je vais venir me servir directement dans la caisse. Oui, c'est pas les gars, je vais poser une question bizarre de baiser. Ah bah si, je vais poser n'importe quoi, voir s'il va répondre. Oui, madame, d'accord, allez faire un petit blocus si vous voulez. Dans tous les cas, on vous balayera. Monsieur le gouverneur, et s'il vous plaît, cachez votre nombril, on n'a pas envie de le voir. Oh. Ici, Qu'est-ce qui se passe? Oui, monsieur Well, dernière question. Hein. Oui, dernière question, monsieur le gouverneur. Concernant donc les subventions des entreprises par rapport aux impôts qu'ils ont sur les impôts sur la société concernant le revenu. Sur le revenu. Sur le revenu, sur le revenu des salariés imposables. Voilà, ça, sur le KGB imposable sur l'impôt du revenu. Par rapport à l'opération Voldemort sur Ragnov. Je voulais savoir qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça. En effet, il y aurait une taxe qui sera imposée de 10 000 dollars par semaine à toutes les entreprises. Très bien, pour compter ceci. Merci beaucoup. Question, voilà. Oui. Le gouverneur. Oui. Est-ce qu'il y aura un suffrage organisé pour voter un maire dans le Nord? Non, malheureusement, il n'y a qu'un seul maire et c'est le maire de San Andreas. Il n'y a plus de maire du Sud et maire du Nord. Et il compte faire quoi pour le Nord? Parce que pour le moment, c'est un peu mou. Ça, c'est une question à poser au maire. En fait, tu peux poser la question la plus merdique qui va te répondre. Dans le Nord, vous êtes menacé par le Mont Chinois. Un suffrage. C'est normal qu'il n'y ait personne qui veut faire des événements là-bas. Enfin, bref, vous inquiétez pas, Inscrivez-vous à la brigade Warner, s'il vous plaît. Et bien, God bless America. God bless America. Excusez-moi, il y a des personnes du Nord, là. Ouais. Ça va. Vive le gouverneur! Oui. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il nous emmerde. Oh, bah, ça y est, vous avez la retraite, vous, il n'y a plus rien à perdre maintenant. Monsieur le gouverneur! Et puis toi, en plus, t'es là, tu fais son larbin, t'as pas honte? Non, alors moi, je respecte monsieur le gouverneur, on est le seul pays. Qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Il a rien dit sur moi, on est le seul pays qui ne respecte pas le gouverneur. T'as entendu ce qu'il a dit? Il voulait t'amender tellement t'es moche. Il a dit, puis il s'est essuyé la main quand tu lui as serré la main. T'as pas vu, toi? Hein. Mais alors vous êtes vraiment comme les personnes sur les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire À dire des conneries sur Internet. Là, vous le dites dans la vraie vie. C'est n'importe quoi. Ah ouais? Vous connaissez pas ça? Vous êtes vieux, vous. Et en plus, il veut te taxer. Oui, vous êtes un lardon, vous, monsieur. T'es vu, enculé? Tu veux qu'on se batte, c'est ça? Alors, t'as vu ta gueule? Prends un miroir. Arrêtez de me prostituer dessus, monsieur. Ça commence à devenir. C'est pas la peine d'intervenir, hein. Mais non, pas besoin. Non, collègue, je m'en occupe. Vous parlez aux citoyens, c'est une honte. Vous êtes un larbin. Bon, vous êtes un citoyen ou pas? Vous êtes juste à l'EHPAD, vous. Là. Mais moi, je suis peut-être à l'EHPAD, mais en attendant, moi, je suis pas le gouverneur, moi. Alors, je respecte le gouverneur. On est le seul pays, la seule patrie qui ne respecte pas ses hauts placés. C'est aberrant. Non, mais c'est aberrant. Mais vous faites quoi? Quoi pour tout le monde? Vous faites quoi? Vous êtes là en train de sucer? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour... Hein? Sucer la quoi? La Bible. Oui, t'as bien entendu, oui. Tu lui suces son ouvrage à chaque page qui tourne. T'es une vraie salope de bibliothèque. Voilà ce que t'es. Hey, vous! Wow. Vous êtes quoi, vous? Ah ouais? Vous êtes quoi, vous?
Ah ouais? Ouais, vous êtes quoi, vous? Ah ouais? Bon, espèce de vieux schnock, hein? Putain, vous êtes né avant la guerre et vous n'avez pas participé à la guerre, hein? Vous avez rien foutu! Vous avez rien foutu pour nos anciens, pour nos ancêtres! C'est soit la radio 2 ou soit la radio 3. Eh ouais! Eh ben t'es moche comme un testicule! Eh ben vous ressemblez à ma testicule! Ben justement, mets-toi en question! Vous êtes tout effrité là, tout. C'est ça! Et juste les poils qui manquent des poils. Bon, ça suffit maintenant. Avec votre mallette, y'a pas Wahda dedans, monsieur. Aïe, ouais, on a un braquage de banque, allez-vous! Mais quelle meouette! On a un braquage de banque. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, Ah, putain de merde! Oui? Sale riche, va! Riche de merde! Espèce de sale riche! Mais qu'est-ce que tu veux, toi, tête de gland, va? Excusez-moi, il est où le braquage de banque? Ah, bah du coup, pas besoin? Eh bah non! On roule pas en contresens devant la police, tête de neul! Commence à te calmer, toi! Commence pas à me prendre par le cul, là, déjà pour commencer! Mettez-vous sur le bas-côté, monsieur contrôle! Bah, je suis déjà sur le bas-côté. C'est vrai. Hein? Avance, tête de gland, va! Sale riche! Oh, c'est quoi cette musique? C'est de genre de merde. Voiture de riche! C'est les customs suprêmes là, Kit Louis Vuitton. Kit Louis Vuitton? Ah ouais, c'est vraiment. Ouais. Voiture de BDH. Les trucs qu'on retrouve à Dubaï là. Alors toi, tu vas finir dans le décor, mon gars. Alors toi, tu vas finir dans. Tête de gland! Alors là. Allez, bien. Non, je vais le tuer le mal dans le pneu, collègue. Ouais. Non! Merci Jimmy pour le 4 et moi. 69 10 3 les collègues, 10 3. Merci Vente pour 20 et moi. Affirmatif. Non, c'est si on y va. Oh merde, j'ai écrasé quelqu'un. Oh merde. Mais non, c'est abusé là. Il m'a doublé par où, ouais, mais il t'a doublé par la gauche. Bah ouais, mais il était en contre-sens là, non? Non. J'avais les giros en plus. T'avais les giros, t'avais tout là. Attends, je vais juste voir s'il a de l'argent sur lui et puis on laisse, hein. Non, je regarde, collègue, je regarde. Merde. Je regarde s'il est moche. Purée. Les collègues, est-ce que vous pouvez m'appeler? Monsieur, vous êtes en vie? Monsieur! Ok, il est vivant. Il a fait. Je répète. Merci bien. Ouais, il a fait. Il faut mieux pour la plaque de rénovation. Tu penses qu'il faut que je l'hydrate, collègue? Bah, je sais pas, peut-être qu'il faudrait qu'il enlève son casque. Monsieur, vous voulez que je l'hydrate? Je l'hydrate. Faites. Non. Je vais être ban après. Bon, allez, messieurs. Les mécanos. 10-4, collègue. Oui, tout à fait. Monsieur, on a un braquage de banque, on peut vous laisser? Vous pouvez me mettre sur le côté. Ouais, très bien. Bah, monsieur, vous êtes mort après, vous pouvez. Oui, merci. Bah, de rien. Je ramasse votre moto. Alors, je fais dispatch des unités sur les véhicules. Adam 09 et Adam 74, vous êtes sur le règle blanc. Adam 60 et Adam 01, attention. Vous êtes sur le règle noir. Un accident de moto, les collègues, on les a vus. Ouais. Bah, dans l'accident, votre pneu a crevé derrière. Hein. Tu l'as écrasé encore. Ah ouais. Soit un messie d'âge. Ah non, il est là. Non, il est là. Non, t'es pas écrasé. Allez-y, nous, on vous laisse, on a un braquage de banque. C'est léger l'accident, on l'a vu. Il a pris un poteau. C'est un petit con, quoi. Ouais, bah, j'en peux pas, vous savez. Ouais, voilà, merci. Il est maghrébin aussi, je crois, aussi, bah c'est pour ça, hein. Bah, tout s'explique. Voilà. Bah, totalement. Bah, c'est malheureux, mais c'est souvent eux qui. Bah, la pluie. Ouais, mais il faut leur dire qu'on n'est pas au Maroc et tu peux pas être à trois sur une moto, tu vois. Ouais, c'est ça, collègue. Ouais, c'est tronche, hein. Les collègues! Bonsoir. Ça? Tout le monde au salut, s'il vous plaît. Au salut. Pourquoi?
Je suis votre supérieur, s'il vous plaît, au salut les collègues. C'est moi ton supérieur, enfoiré. Je suis officier 2 comme toi, sale bâtard, va. T'es officier 3, enfoiré, t'étais pas là, là. T'as que 2 barres sur ton truc, je m'en bats les couilles, officier 3. Non, ah oui, j'ai officier 3, connard. Mais sans tes barrettes d'ailleurs, enfoiré. Je les ai grailles, j'avais la dalle. Bon, allez. Hey, hey, oh, hey. Hola, hola. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Mais bonsoir. Alors, du coup, faudrait que vous vous occupiez de ce véhicule ici. Le véhicule là-bas, où il y a des vitesses. Vous pouvez ouvrir les capots que je puisse. J'ai 5 kits sur moi, donc profitez. Capot, je vous ouvre les capots. Ah, c'est Ciela, Ciela. Sienna, Sienna. Elle s'appelle CLS. La mienne, s'il vous plaît. Comment ? Monsieur, on s'arrête. Monsieur. C'est une zone de crime, monsieur. Monsieur, zone de braquage. Monsieur, zone de braquage. Ah oui. Zone de braquage, monsieur. Je vous plaque au sol. Voilà. Il met avant, là. C'est le véhicule qui fume, on est en train de négocier pour vous le réparer. Ok, très bien. Du coup, voilà. Bobby. C'est beaucoup, madame. Quoi ? Y'a de rien. Tu oublies un truc ? J'ai oublié quoi ? Tu vois un gradé, qu'est-ce que tu fais quand tu vois un gradé ? Mes respects. Et ? Bah, mes respects. Et le ? Bonjour. Et le ? Au revoir. Le ? Coucou, bijou, comment tu vas ? Le salut, tête de neuil. Ah. Le salut. Allez-y. Tête de neuil, il est pas obligé, Hermano, voilà. Je pense. Voilà, et qu'est-ce qu'il y a, madame ? Y'a un problème, vous aussi, vous voulez vous mettre au salut ? Vraiment pas. Vous voulez me draguer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, du coup. C'est grave ça, les. Non, mais c'est grave. C'est grave. Monsieur, c'est un braquage. C'est... On est pas où à Meknes là, hein. Mais vous êtes pas bien. Mais vous êtes. Arrête, vous êtes t'es quand les bijoux là. Mais regardez, regardez ce qu'il laisse fait. Laisse le passer, il passe, laisse parole, il passe. Ouais, son frère jumeau, regardez. Oui, c'est aussi ton jumeau. Il ressemble à Anas. C'est aussi ton jumeau. Oh, pardon, désolé. Ah. Arrête tes conneries. J'ai pas fait exprès. Désolé, Bobby. Tu me pardonnes, Bobby. On fait la paix. Comment ça, encore-moi ? J'étais grillé, je trouve. Les collègues ont fait un dispatch des véhicules. Donc je veux. Je veux la dame. Je veux la dame Tango sur le. Ils veulent. Ça se voit, oui. Arrêtez pas coupé, s'il vous plaît. Peut-être ça. C'est dangereux. Ah, bijoux, revenez ici. Mais t'es un baiser toi, je suis officier 2, toi, j'en ta gueule. Et c'est quoi le rapport ? Il me dit, viens ici, il est fou quoi, lui. Fou quoi. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Tout se passe bien avec les négociations ? Ouais, on est déjà en négociation. Ouais, non, mais tout se passe bien, c'est juste pour savoir si tout se passe bien quoi. Ouais, tout se passe bien, ça se passe super bien. On a le capi-chef qui arrive, d'accord ? Ah là, le capi-chef, ramène-le moi. Ramène même la mère au braqueur. Vas-y. Voilà. Même ma daronne la putain. Voilà, même ta daronne la pute. Ouais, ma grosse daronne la putain, c'est fini. Ta grosse pute de merde. C'est pour ça que je l'ai buté, hein. Voilà. Mettez-vous en sécurité devant vos véhicules, derrière vos véhicules. Non, mais c'est dingue de dire ça. Mais je vais serrer. T'es là, t'es sur ta mère, comme ça. C'est ma mère la putain, c'est ma mère la putain. Arrête, arrête, dis pas ça, respecte ta maman. Les gars, j'ai Tommy m'a répondu, les gars. Il m'a répondu, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit quoi ? On est quand même sur un braquage, donc il faut faire attention. Me dis pas que tu vas me proposer qu'on la fasse ensemble. Monsieur Bijou. Monsieur sur ça. Un peu ? Pourquoi ? MDR. Est-ce que je le dis parce que j'ai fait une émission avec le DVM ? Je mets ça à cause des DVM. Quand j'arrive. Non. Non, je dahak. Non. J'ai... En vrai, je sais pas, lui, si. Waouh. Mec, il me. Ce qui peut arriver, vous arrivez pas à braquer la bombe. Capitaine, non, capitaine, non. Capitaine, il négocie déjà, capitaine, non. Capitaine, ils vont me prendre otage. Non, vous inquiétez pas. Moi, j'ai trop de respect pour le capitaine. Prenez-le en otage. Prenez-le. Mais non, prenez personne en otage, toi, tais-toi, toi. Vous inquiétez pas. Qui a dit ça ? C'est moi qui t'ai dit ça. 3, 2, 1. Je vous annonce, il a niqué son banquier. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais capitaine, vous faites quoi, capitaine ? Non ! Non ! Tiens avec moi, bijou. Ok. C'est le banquier ? Tiens ! Les impôts, tiens! En fait, les gars, vous savez pas qui est le capitaine. Oh là, fuck Babylone! T'as eu les otages! Mais il est fou! Mais il est complètement fou ce mec! Allez, viens, on y va, bijou, non? Oh la merde! J'ai la meilleure banque que j'ai jamais vue! C'est bon, bijou! Pourquoi tu tires ses otages, toi? Casse-toi! Non, il a pas tiré. Non, il a pas tiré. Non, mais capitaine, j'ai rien fait! Il voulait niquer les otages! Merde!
Non, ils vont bien les otages, inquiétez pas. Bah oui, ils vont super, hein. Franchement, ils sont décès tout. Oh merde, je te jure, j'ai cru. C'est l'anniversaire de 91. Ah, joyeux anniversaire 91. C'est toi ton anniversaire? T'as remis le joint de culotte sur le C'est ton anniversaire? Moi j'ai pas de date d'anniversaire. Joyeux anniversaire Ganongo. C'est pas Ganongo. Joyeux, c'est pareil. Joyeux anniversaire Ganongo. On va t'offrir un bucket de poulet. Raciste là, salaud. C'est laquelle voiture réparée en face? T'es satin, okay, salaud. Tu rigoles pourquoi? Ah oui, non, là je t'aime trop. Salaud. Je t'aime trop. On s'endort, Tobias. Bah, endors-toi et ferme ta le gueule, Nathan. Mais vraiment, ferme ta le gueule. Mais dors. Moi, quand je dors, je ronfle. Mais je me dis pas que je m'endors. Ferme ta gueule et va dormir. Nous fais pas chier. Laisse-nous nous amuser. Bordel de cul. Excusez-moi, les gars. Désolé les gars, petite. Petite. Puis comment on appelle ça? Petit. Putain, petit coup de gueule. Ouais, effectivement. L'autre, elle a l'air ok, elle a l'air ok. De toute façon, c'est le dernier. Merci, tonton Babas, posez-moi. Nickel. Attends, les gars, c'est quoi le. Non, merde. Slash E, c'est quoi déjà, les gars, pour faire des trucs chelous avec la main là? Comment on a fait déjà? C'est slash E quoi, les gars? Slash E. Bijou. Oui. Ils vont avoir besoin d'air, d'aide, il y a une fusillade. Besoin d'air? Besoin d'aide. C'est pour le véhicule en préparation, vous pouvez envoyer le. Vas-y, Coco. Allez, monsieur Lady, on est tous sur la banque là, mais je pense qu'on va se. 24, viens, on y va. Ouais, avec 69, on s'y rend. De toute façon, on a une voiture pour faire la truc. C'est où, C'est Inglewood, ça, je te mets le GPS. 97, pardon. J'arrive. Ah oui, c'est Wank. On a une Sherman qui quitte la zone, Sherman noir qui remonte vers Inglewood. T'as dit quoi, collègue? C'est de recharger mon arme, j'ai du mal. Je charge laquelle? Je m'excite pour la fusillade. Tu vas pas tirer à blanc, là, bijou? Ah bah si, c'est qu'à le dire, là. Attends, collègue, c'est ici la fusillade? Ouais, en face. Elle est où? Les gars, ça se dirige vers la marina. Levez tous les mains! 07, 16, 5 minutes. Ok, du coup, les collègues sur la fusillade, mettez un place à 10-38. Les AMS ont été contactés. Bonsoir. 24, essaie de le récupérer, on les met tous là-bas, sur la zone là-bas. Ah, il a un ensemble CRTZ. C'est-à-dire qu'on pourra pas le sauver. C'est lui qui s'est moqué de ta gueule tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, bah chat. Ah bah voilà. Hein, le revers de la médaille. Tête de neuil, frère. Alors comme ça, on s'est fait pull-up. 69, 24, s'il vous plaît, commencez les premiers soins, s'il vous plaît. Bah non, je suis pas médecin, moi. Il y a l'ambulance qui arrive. Hein? Alors comme ça, on s'est fait drive-by. 69, premiers soins, s'il te plaît. Ok, je vais le faire. Allez, requin. Ok, allez, il monsieur. Il était un connard, c'est pas une raison pour qu'on tire dessus. Hein? Alors comme ça, on s'est pas tiré? Alors comme ça, on est des bolos? Alors comme ça, on meurt? Ah ouais? Ça fait des voyous! C'est qui à côté de moi là? C'est 64. C'est qui là? 16, fais les premiers soins. Compresse les blessures, s'il te plaît. Ok. T'essayes de le réveiller. Mais si on était appelé ou pas, je stimule son sgeg pour voir s'il se réveille. Allez, monsieur, allez. Vous trois venez avec moi, je vais essayer de sortir la personne du véhicule. 22, ça va? Chez vous? Drive by dans le quartier de Inglewood. Ah, ça me fout la haine, voilà. Merci beaucoup, Frico, merci. Ok, les collègues, du coup, on fait pour le deuxième mois. Merci, Zenox, pour le troisième mois. C'est à cause de médias? Non, c'est bon. Mais en vrai, ça fait qu'une journée, ça. Je change de radio, stay safe, les copains. Bonne soirée, vous aussi. Oh, Capella en plus. Oh mon dieu, mais il y a tout le monde. Ah ouais, c'est Capella, ça? Oui, c'est Travis Scotch. Il a les mains sur sa tête, j'ai pas envie de les retirer pour voir si c'est lui ou pas. J'ai peur s'il est blessé. Pourquoi ils ont tous les mains sur la tête? Ils sont morts, vous pensez, les collègues? Le dossier d'opération était ouvert. Ok, ça marche.
Les collègues, je m'occupe de fouiller les voitures. J'ai fait les premiers soins là. Je m'occupe de prendre des photos. Okay, je m'occupe de faire les premiers soins et après vous les prenez chacun à votre tour, ok? Pour faire les palpations, etc. Oh la grosse prise! Oh là là, les collègues, la grosse prise! La main dans le sac! Les collègues! Y'a quoi? La main dans le sac! Regarde ce qu'il y a dans la boîte à gants, regarde ce qu'il y a dans la boîte à gants, collègue! Regarde! Y'a des graines de patates douces! Ça, c'est une prise, ça! Les collègues, priorité, si vous récupérez des armes sur les individus, vous mettez nom et prénom dessus. Voilà, les collègues! Oh la grosse prise! De la patate douce, encore une fois! Mais c'est des gros bandits là! Si tu viens, on va se mettre sur le trottoir. Arme, identité, je te porte. Il y a de la patate douce à toute patate. Les collègues! Un chicken wrap! Dans la boîte à gants, sûrement des afro-américains du coup. Bah vas-y, tu l'as. Oh, dans le coffre! De la cocaïne! Attends, je suis en train de prendre des photos, t'inquiète. Ouais, maximum d'infos sur le chicken wrap. Je le fais déjà. Alors comme ça, on vend de la cella? Ah ouais? T'en veux? On vend de la frappe à toute berzingue? Ouais, à toute patate? On arrête pas là. À toute patate? Toute patate, ouais. Ça joue les agriculteurs? Les agriculteurs? Ouais, mon gars. Avec un gros Z. Ça fait de la plantation? De la coca? Ouais, c'est ça, on est jardiniers aussi. Oh, bonsoir! Aïe! Tiens, fils de pute, va! C'est mérité. Oh! Bonsoir! 9-7, comment tu vas? Ça va ou quoi, système? Alors, ça va bien? C'était comment le repos? Ah les collègues! Ah! Salut! Je suis allé m'acheter une nouvelle Versace pour la. Ah les collègues! Ça c'est comment? Alors comme ça on disparaît? Hein? Mais non, la petite vacance, elle du bien, on a besoin de. On disparaît des radars! Hein? Mais on est parti à quoi deux pendant que tu. On fait les foufous! On baisse pas l'arme! On baisse pas. On est récalcitrant! Ah! Ça joue les DZ! On est. Ça joue la fierté, hein! La fierté! Le couscous, tout ça, les arbres, toujours pareil! Et t'es où toi là? Va jamais à ce moment là, tu te touches les miches ou quoi? Bah non, je suis totalement là les collègues, je suis totalement là, tous les soirs. Notre gueule, bien sûr, bien sûr. Pour des gens, moi, mais ils nous mettent pas ensemble parce qu'ils ont peur qu'on fasse des bêtises, c'est relou. Bah ouais, je comprends pas. Attends, vas-y, c'est bizarre parce que... 9-2, passe-le-moi. Tiens, je te dis. En mode ouais, on est toujours sérieux, donc je comprends pas. Ouais, ouais, les collègues, hop là, hop. T'es pas, on fait quoi? T'es pas. Pendant que tu demandes, je m'accroche à toi. Vas-y, pas de soucis. Accroche-toi sur mon crâne, pas de soucis. Là, on est vraiment une belle brochette. Oh, les collègues, venons, on fait un délire. Non, attends, 9-2, viens, 9-2. J'ai vraiment un gros truc, les gars. Venons, on fait un délire, tout le monde est chauve. Un gros truc, c'est quoi dans ton pantalon? On fait une tango chauve. Non, pour le vrai, vraiment, on se coupe tous. Ouais, toi, en gros, tu. Mais moi, je suis pas chaud, moi, j'ai mis. T'es gouverneur, toi, en fait, t'as remarqué, ça y est. Tout le monde chauve, ouais, tu veux faire des trucs bizarres. Non, le gang des chauves, vraiment. Le gang des nains. Après le gang des roses, j'ai vu le gang. Venez, on se fait péter deux genoux, là. On se pète les deux genoux. Le gang des nains, genre. On se fait scier un petit bien là, j'ai vu que c'est possible. Non, mais le gang des chauves, c'est pas mal, le gang des chauves. Un gang de nains, j'aimerais trop, frère. Ah ouais? Bah, si, c'est pas la voix, je te dis, oh là, Buffalo qui avait pris un otage, le gouverneur là, la bleue. C'est pas comme si je te l'ai dit il y a 5 minutes, Patache. Mais les deux Buffalo. Ça a déjà été fait, un gang des nains, non? Ça a déjà été fait, je crois. Tu l'as jamais vu ça de ma vie. Ah ouais? Ah, plaque, oui, je l'ai dans l'ordinateur. C'est quoi? Un nain, ça a été fait, mais pas un gang. Ah oui, c'est ça. Ouais, y'avait un nain. T'imagines un gang de nains? Un gang de nains, c'est genre. Les nains en Léo, les nains en Léo. Dépêchez-vous! Allez, 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 baisse tes mains, baisse tes nains. Regarde-moi, eh, baisse les yeux quand je me regarde dans la. Baisse les yeux pour me regarder tout court. Attends, tu crois que t'as affaire à des petits là? Tu crois qu'on est des petits? Ah ouais, ah tu me prends de haut! Ah tu me prends de haut! Je jurais, ça peut être trop drôle! Ah tu me prends de haut! Vous êtes une organisation criminelle, mais sachez qu'on est à la hauteur. Oh, pas mal celle-là, pas mal. Pas mal celle-là. Ah tu nous prends pour des petits? Hein? Tu nous prends pour des petits? Ça serait pas trop drôle! Imagine un mec qui parle comme ça. Yo, moi c'est Actimel parce que je suis petit. Tu me bois en un coup. Salut, moi c'est Capricène, frérot. T'as capté nous pas. Actimel Capricène. Actimel Capricène. Ouais, que des blagues comme ça. Et on ferait n'importe quoi. Pas mal celle-là, pas mal celle-là. Vraiment, il faudra. Ouais. Moi, après, on fait des plusieurs nains. Il y en a un, il sera un intentionné. L'autre, il sera voilà, un affectif. Un insupportable. Un insupportable. Oh là là, incroyable. Mais on tient un truc là, on tient un projet là, un gang des nains. Quand on sème les gens pour les narguer, on fait nanananane. Oh, pas mal celle-là. Alors celle-là, pas mal. Pas mal. Oh, mais putain, mais c'est incroyable, mais on a vraiment un trick. Hein. Putain, je crois qu'on est fait pour être des nains. Des nains imbéciles. À l'intérieur de nous,
Pas mal, celle-là, pas mal, pas mal. On est capable de le faire. Pas mal. Et vraiment, on fait un gang de nains, mais africains. Du coup, ce serait des nains africains. Oh. Et des africains. Des nains africains, ouais. Vas-y. Et imagine genre, dans le gang des nains. Sur deux gens. Ouais. On a un T-Wim. Et dans le gang des nains, il y a un imposteur. Oh, c'est soit le top, genre il veut toujours la mettre à l'envers à ses collègues. Et cet imposteur, il fait n'importe quoi. Putain, mais là, on serait au top. Ah ouais, mais là, vraiment. Et toi, tu serais le nain qu'il est. Le nain qu'il est, ouais. Ou le nain capable. Je serais le nain intelligent. Ouais. Et moi, je serais le nain poli. Ok, donc il y en a, il s'appelle Actimel, l'autre Capuissonne, le dernier Candy Up. Candy Up et ouais, Candy Up. Panta Citron. Et... Panta Awards. Ouais, ouais, Choco Pops, ouais. Voilà. attends, ouais, tu sais ce que tu viens de dire, là? Hein? Tu viens de dire quoi? J'ai dit yop, un yop, un mini yop. Attends, t'es sympa, mais ça regarde. Mais ça alors. Une pompote, ouais. Ferme ta gueule. Tu veux ça, toi, hein? Cochon. De quoi? Tu veux... Nickel. Vas-y, Karl. Non, donne-le l'air. Actimel. Vas-y, sale bâtard. Possession de plaisir. Un mais là, je vois. Un petit filou tube. Comme dirait les gens, tu wish. Tu wish. Tu wish. Tu wish, hein. Je vois en ce moment Versace, Golf GTI, photo chez Louis Paul, lolo, ça tech. Versace, hein. Versace. Écoutez-moi bien tous ceux qui sont sur la fusillade. Oh, baisse ton arme. Pour tout le monde, s'ils sont négatifs, on est. Des poudres pour tout le monde. Ils prennent de la coke. 10-4, c'est bien. C'est bien. Amdoulila, comme on dit. Donc, cette trace de cocaïne, on intercepte. Bonsoir, on va devoir réaliser des tests de poudre. Tirez la langue, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas de calibre. Bah, ce test de poudre, quand même, monsieur. On va devoir vous tirer la langue, s'il vous plaît. Tirez la langue, s'il vous plaît, monsieur. Ça teste à l'hiver, la langue, man. Ah, j'ai pas de test de poudre, merde. 22. Vous avez un test de poudre pour moi? Non, si vous en avez pas, dites-moi juste combien. Oui, bah non, y en a qui en ont, c'est pour les collègues, ils en ont. Okay. Et du coup, Jis? Oh, ouais, Renoir! Dans le laboratoire, mais les résidents voilés là, toi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bah bonjour à ton tour. Faut qu'on ramène monsieur au poste. Salut, bon F2. On y va. Est-ce que là, ouais, Renoir? Non, hein, j'ai pas de test de poudre. Pourquoi vouloir nous poster? Tu sais pas. Il y avait une arme et. Dans les laboratoires. On embarque. Test de poudre ou pas? Attends, il s'est levé, c'est ça. Renault ou Papsan? Prends identité plus les photos des fouilles, il sera convoqué demain. Merci Hamilton! Hamilton, Laisse-moi dormir! Les voitures! 21. Hein? Alain, je suis bloqué, Alain! César Radio, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alain! Merci, 411-moi. On va t'attacher. Viens vers moi, je quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais quoi? Je me sens comme un imprimeur. Je fais que penser au papier. Je regarde le rap français. Je vois beaucoup de fausses Rolex et de fausses Cartier. Je suis pas très loin du MAX. La calisseur de LAX. Plus de prise qu'un judoka. Je me sens comme une Tesla X. Comme à la Avald. Dans la caravane. Piège Tudo qui porte la gamme. Gros dégâts. Y'a un mec qui s'appelle Toubiac. Où ça? Attends, je vais l'amender, il est où? Il fait les cheveux bleus. Attends, laisse-moi trouver, il est où? Merci Bouba Kadu 17, merci mon frère. Troisième mois. Ah, mais je suis déjà dans l'ambulance, viens voir. Là-bas? Ah, ça dégage, j'ai mal à la gorge. Ah non, il est pas là, monsieur Toubiac. Il est où, monsieur Toubiac? Aïe! Fils de nœud! Putain, mais faites-moi mal, vas-y les gars! Faites-moi mal, putain! Merci. Qui? Quoi? Mais de rien. J'en ai déjà deux là. Ah, peut-être dans l'autre ambulance. Où ça? Là-bas? Excusez-moi, les médecins, vous avez un patient ici avec les cheveux bleus un peu? Ah oui, c'est Toubiac. C'est lui, Toubiac. Monsieur, Toubiac? Ouais. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît, une petite seconde ou vous êtes blessé? Très bien. Oui, monsieur Toubiac. Ouais, dites-moi. Une fois que les individus sont chargés dans ça se prononce Toubiac ou Tobias? C'est un nom. C'est un C à la fin. Pour me présenter votre carte d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Je vais leur poser des questions. Ouais, par contre, okay. Peut-être pour une potentielle usurpation d'identité, monsieur. C'est qui l'identité en question? Monsieur, c'est moi l'imposteur, l'enquêteur ici, pardon. S'il vous plaît, pouvez me présenter votre... Toubiac, ouais.
C'est une faute de frappe, ça je reconnais. Non, il y a pas de faute dans des prévenctions. Bah, monsieur, vous êtes si on peut se dépêcher, on a un blessé par balle dans l'ambulance, monsieur. Vous allez pas me faire le chirurgien ici? Bah c'est non, justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'aller au bloc, donc si on peut se dépêcher. Ouais, bah allez-y. De quoi, monsieur, vous êtes stagiaire? Bah allez-y. Bon. Allez, go. Oh là là. Et, à croire, il y a la vie de quelqu'un en jeu. Oh là là, les gens qui... On dirait un Parisien, quoi. On est en Amérique. America. Oh là là. America. On dirait ils se sont fait tirer dessus, genre. On dirait il y a mort d'homme. Il est parti, Van. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une arme ou pas sur un monsieur qui avait un jogging? On va vous faire parler. Ouais. Allez, vois. Allez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'est bon. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient là, ils ont voulu se bagarrer avec des racailles tranquillement, et là, directement les racailles. Boum, donnez le plaisir, pas dans chaque chimelle. C'était qui, c'est racaille? Bah, ils vont pas nous dire, c'est normal. Bah, non, ils veulent pas nous dire. Ah, vous êtes fait drive by comme des bolos. Maintenant, c'était pas toi, FB. En gros, c'est des groupes distincts, ils ont voulu s'attraper, j'imagine. Et bagarre. Ils sont descendus. Ouais. Ah là 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 là. Piou, piou, piou. Mais vous savez, Capella, je vais vous dire quelque chose. Ah, suis. Être une racaille, c'est très énervant au quotidien. Alors qu'être un policier. Être un arabe? Je lui ai dit. Aussi, oui. Ah, ok. Ça dépend où on se situe. Les racistes. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On s'énerve qu'est-ce beaucoup qu'est-ce moins. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous le dis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, là, la buffalo va être saisie. Hein. Tu lèves tes mains. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens avec que je te gaze. Tu que je te gaze? Parce que. Tu que je te gaze? Non. Tu que je te gaze? Tu veux qu'on teste pour voir si tu mets un canard gazeuse? Non, c'est cool. Tu contestes pour voir? Je conteste. On teste devant le médecin, il est où le médecin? Y'a plus de médecin en plus, y'a plus de médecin. Tu contestes? Tu contestes? Tu contestes? Hein? 10, sergent. 10, 9. Aide-moi. Tu comptes gaz? Vous tirez le gaz. Vas-y. Supplie, sergent. Tirez le gaz. Attends. Sergent, je vous en supplie. Mais tu sais que la bijou, je peux te mettre un blâme pour ça. Un blâme? Vas-y, mets-moi un blâme. Je t'encule. Je rigole. Allez, je le lâche. Je rigole. D'ailleurs, tenez, j'ai une bombe de spray, de pepper spray en trop. C'est quoi? Attendez, venez, je fais un tri au pire là. Tour de visite. Eh, ceux qui veulent le truc, y'a des queutrues là intéressants là. Mais je crois qu'il y a des poubelles là juste à côté. Il y a quoi qui est intéressant sur quoi? Une GoPro là. Ça je m'en bats les couilles. La mets des donneurs, la vie de merde, je m'en bats les couilles. 69-24, vous pouvez bouger la zone. Est-ce que vous pourrez amener le docteur à l'hôpital s'il vous plaît? Celui qui m'a pris de l'argent, c'est un fils de pute hein, par contre. Oui? 69, tu sais qu'on doit faire un interrogatoire? Vas-y, bah go! Jackson. Ah oui, c'est vrai, ça date! Bah ouais, c'était. Ouais, bah on s'en bat les couilles. 24, tu peux me prendre le docteur ou le ramener à l'hôpital s'il te plaît? Yes. Vas-y, super. Doc, allez avec la jambe. En vrai, tu veux le faire ou pas? Tu veux qu'on fasse ou pas? Vas-y, go le faire. Attendez les gars, plus de secondes. C'est bon tout le monde? Bijou. Bon bah allez. Excusez-moi les gars, excusez-moi. Oui, on va grimper, oui. N'hésite pas à prendre ton temps, comme ça je fais pas les opérations bloc, t'as capté? Excusez-moi les gars, excusez-moi. Ça y est, ouais. Toi, ça y est, oh, vas-y. Ça t'a capté, on va esquiver les opérations. Y'a pas Mordon, de toute façon. Non. Ah, on doit aller faire une enquête là, du coup? Non, on l'amène à l'hôpital. Là. Ah, ok. Bah, je peux conduire, collègue, ou pas, s'il te plaît? Bah, allez, vas-y, conduis. Allez, merci. Non, t'inquiète, je conduis bien. Allez, hop là. Attends, on m'a volé mon argent, j'ai le seum. Je sais que tu conduis bien. 69 pour 9-2, vous allez me rendre mon oseille. Ça va pas se passer comme ça. Oh, tu prends. Mais capitaine, il a volé mon argent. Attends, on a fait faire un accident. À l'hôpital, là, apparemment, il y a deux blessés par balle. Oh, c'est qui là? Ça me pète les couilles. Je vous emmerde. C'est pour ça, on est à l'hôpital. C'est moi, je vais te rendre tes sous, sale chien. Là. Hein? Tu vas me rendre mon oseille, sale bâtard, va. Tu me dois du bif. Tu me dois du bif, gros. Je te dois. Tu me dois du bif, mon pote. Oh merde. Aïe. Oh putain. Ah, je suis là. Ah voilà. Mais attendez, venez, on passe au poste pour changer de véhicule. Oui, tant qu'à faire. Ah putain, fais chier.
Vous réparez les gens mais pas les voitures. Merci Rio pour le 4ème mois. Ouais, c'est un peu plus compliqué la mécanique. Ah bah c'est parfait, il y a un véhicule juste là. Allez, venez les collègues. Allô, je suis là, on peut se rendre à l'hôpital s'il vous plaît les gars. Discard, bah là on se rend avec madame... Descends là, bijou. Descends là. Monsieur Chaud, on est occupé, on a un médecin, c'est urgent. Prenez un autre véhicule. Non mais, on a un médecin, on a un médecin. Non mais on a un médecin. Mais s'il vous plaît, mais monsieur, mais on a un médecin. Monsieur. Vous boudez ? Bijou, je crois que tu l'as contrarié là. Pourquoi il boude ? Pourquoi il boude ? Oui, là il a pris son 10-10, là c'est mort. Mais pourquoi il boude, wesh ? Pourquoi il est parti comme ça ? Mais il y en a plein des voitures ! Après il a raison, c'est sa voiture. C'était la sienne, tu vois. Mais oui, je suis totalement en tort. Mais pourquoi il boude ? Son petit porte-clés, ah, regarde sur ses clés, c'est pour ça. Regarde la boîte à gants, normal qu'il boude. Bah oui, il y avait des capotes, c'est pour ça. 69 pour l'agent qui avait son véhicule au poste de police. 10-20. Ils sont partis, peut-être. Tourne pas sa caisse en plus, hein. Ça veut dire de merde là. Et... Oh merde. Petite question, est-ce qu'on peut récupérer des textes? Aïe. Ça va le bip. Oh non. 19-21. Où est-ce qu'on peut récupérer des textes de poudre, s'il vous plaît? Vous en fournirez, Merci. Putain, ça, c'est pas ma voiture en plus, merde. Si, presque. L'hôpital, il est même pas à 100 mètres. Je te jure, je l'aime. Putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Putain, je l'aime. Mais un mec qui utilise les expressions, mais pas dans le bon terme. Putain, c'est pas l'habit qui fait le moine, merde. Putain. Ah là là, faut pas mettre la charrue avant la bœuf. Ah purée, fais chier les collègues. T'es pas le pagois qui glisse le plus loin sur la panquise, toi. Ouais, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Du tiroir. T'es pas l'oiseau qui vole le plus haut, toi. Ouais, t'es pas le Inoxta qui fait le plus de michou, quoi. Putain, fais chier. Ouais. Putain. Bon, on va sortir, je pense. Putain, t'es pas le Jean-Pormanov qui bégaye, quoi. Fais chier. T'es pas la chips la plus croustillante, toi. Putain, t'es pas le zeb le plus dur. Putain. T'es pas le zeb le plus humide, toi. T'es pas la tête la plus neuve, frère. T'es pas un baobab. On laisse la voiture là et on retourne un peu au PDP. Allez, bon courage, monsieur, au revoir. Allez. 69 pour 80. Oui, 10-4. Vous rentrez au poste et que vous rangez votre véhicule tout cassé. Ne prenez pas le véhicule de vos collègues. La pénis qui existe, le SQ Store. On avait une urgence, 80. Chez. On devait emmener un chirurgien à l'hôpital. Madame 29, est-ce que vous pouvez vous rendre à l'hôpital s'il vous plaît pour... Il est vraiment parti pleurer. C'est pas mal. Wow. Madame 55, code 4 sur les derniers 10-60 plages. Collègue, oui. Allez plus vite. Ah, plus vite. Oh, il a un véhicule là. Bonsoir SSP. On a besoin de réquisitionner votre véhicule, monsieur. C'est un ordre de contrôle de véhicule. 10-20, c'est un niveau de véhicule. 10-20 pour 01. En vrai, bon, j'ai pris sa voiture, les gars, c'est sa voiture en vrai. Hein. Toujours en poursuite, hein, c'est totalement compréhensible. Hein. C'est son véhicule, les gars, il a le droit d'aller se plaindre. Hein. Quand il est 50, on va se rendre à l'hôpital. Aïe ! Merde ! Aïe, putain de merde. Aïe. Attention, SSP, bonsoir, on s'écarte ! Urgence ! Oui. On a un cœur dans le coffre, c'est pour ça. Wow. Virage à droite. Collègue, attention, drift à gauche. Ah, ah, fais chier. Les collègues, s'il vous plaît, quand vous avez un véhicule cassé, allez au Bénise plutôt que le mettre dans les parkings, s'il vous plaît. Oh, le CC. Oh, le CC. 19-109. Non, juste, ne mettez pas des véhicules cassés dans les parkings du PDP, s'il vous plaît. 3-21. Madame 55. Bonsoir les collègues, bonsoir. Mais t'es malade. Je t'arrache tous les jours. Attendez les gars. Les gars, c'est bon, j'ai Tommy l'a dit les gars, il est chaud pour faire le duo les gars. Vous allez
Il a mis sa voix, t'es trop nul. On y revient là. Je l'ai mis, mais t'es malade, je t'arrache tous les jours. Ok, y'avait quoi là-bas? Bah rien, on a déposé un médecin. Du coup, les gars, c'est vrai que j'ai le Tommy, le duo. Non, mais y'a d'autres unités qui se rendent. Bah, je vais appeler les dispatchers. Mais les gars, je l'arrache tous les jours, les gars. Bah non. En vrai, non? En vrai, il est chaud. Je sais qu'il est chaud, il a un niveau quand même. À moins qu'il y a eu. Allez, collègue, on part en duo. En duo. En duo. Bon. C'est la queue portée nobile. J'ai buté un câble. Oh merde, merde. J'aurais besoin d'une deuxième adoption, s'il vous plaît. On va faire un petit convoi là avec monsieur procureur. On va faire fermer la pizzeria qui est à la plage. 10-4, Adam 69 disponible. 10-4, on vous attend au poste. 10-4, on arrive. Oh là là, mon dieu, mais merde que des. Je m'arrive que des dingueries. Oh là là. C'est le troisième véhicule, collègue, là, c'est trop. Bon, j'avais 203. On doit aller au poste, de toute façon, c'est carré. Oh là là, mais merde. Niquer une moto, tant pis, tranquille. Mais là, c'est pas que je sais pas conduire, c'est que vraiment. Par contre, c'était. Tu l'as niqué. Par contre, on a fait un flip reset, c'était vraiment pas mal, hein, c'était beau. Bonsoir, excusez-nous. Adam 109, on est actuellement au poste pour Adam. Attends, Madame Harper. Madame Harper, comme quoi un train peut en cacher un autre. Je l'avais pas vu derrière vous, monsieur, sur le truc. Dites-moi, pas la peine. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Madame, alors. Vous en tant que riche, vous prenez pas le métro, c'est ça? Bijou. Ouais. Je suis pas riche. Ok, les collègues. T'as pris le détergent, tout ça là, on va fermer la pizzeria. Non, on va nettoyer la pizzeria de fond en comble. Là, c'est. Mais elle vient à peine d'ouvrir, Mskena. On va ouvrir un kebab à la place. Mais attends, mais on a pas. Non, elle, on s'est dit qu'on aucun faire un buzz. À la place. Un petit enfin, un subway, ouais. Ouais, chicha, sinon. Attends, ouais, okay, oh, on est sur le parking à l'arrière du poste. Mais là, elle a eu aucune traîne, rien. Mais elle, rien. Elle a eu. Ah, si vous voulez qu'on prenne un petit camion ou seulement deux adams. Aucune hype. Mais elle a eu même pas 5 minutes de hype, là. Même pas d'événement. Ils ont vendu une pizza, 3 fromages et une calzone et c'est fini. J'ai joué, c'est une dinguerie, wesh. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pizzeria? Ils vont fermer, hein. Ils ont pas de buzz, hein. Ils sont déjà endettés alors que ça l'a ouvert il y a 3 jours. Ils sont en perte de baiser. Ils sont en perte de fou. C'est du jamais vu. En même temps, ils sont braqués tous les jours. Tous les jours, ça fait 3 jours, chef. Ah, attends, mais là, on vient de voir. Ça fait 3 jours qu'ils sont braqués tous les jours. Quoi, faut arrêter. GM4 a mis 63% dans la gueule, là. Non, c'est ton vote à toi, je crois. Non, pour l'instant, c'est pas terminé encore. Ah, non, bah oui, c'est mon vote à moi, ouais. 65%. Vas-y, débrouille, lui. Bonsoir, de quoi, collègue, oui? Parlons bien, parlons peu, d'accord? J'ai un petit débat avec des gens avec qui je parlais dans la rue. La merde, okay. C'est quoi? Joe, j'étais en train de parler, je disais, mais. Bon, je vais me comparer à un autre chauve, ok? Non, mais là, je trouve que t'essayes d'embellir la question alors que tu dois je la poser. Disais, comme ça, est-ce que je suis plus beau que GMK, oui ou non? Toi? Hein? Attends, laisse-moi revoir. Attends, y'a que moi qui a le droit de venir te. Je suis SLO, tu fais quoi là? 97, vous êtes à la pizzeria ou pas? Et est-ce que t'es plus beau que GMK? Pas encore, toujours pas. Ouais. Parlons bien, parlons peu. La question elle est pas. Mais en plein, mets en full. Mets en... Ok. 55, 4, 5 au niveau de. Mets-toi en full là, mets-toi en full. Le sondage il est parti, le sondage. Est-ce qu'il est plus beau que GMK, les gars? Le sondage est lancé. Ah, ça me fume de rire ce sondage de ouais, malade. Pourquoi t'as un paillasson, une veste en carreau là? T'es au Haps ou quoi? Ça y est, il met du Versace, ça y est. Non, mais attends, il nous a mis. Ah, ça y est. Arrête, c'est bon, c'est bon. Tu gagnes. Non, en vrai, moi je dirais toi. Hein. 70-12. Mais déjà, mes dents, elles sont bien mes dents. Oh non, c'est une dinguerie de dire ça. Non, là, c'est une dinguerie. Mais non, mais on parle de beauté, mais je prends des détails physiques. Ouais, physiquement, je pense que t'es. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, t'es physiquement, bah c'est sûr que j'ai un grand défaut. Il a une Bugatti, hein. Oh les bâtards! Oh les bâtards! J'ai un cash, je te jure! Bah, moi aussi, j'ai une Bugatti A avec la culasse qui déconne toutes les semaines. Du coup, 60, je viens te récupérer, t'en veux pas. Il a un CLA, ça fait 3 mois, il a un jour de culasse qui déconne. Ça fait 8 ans le moteur. Une culasse A250. Ah putain, ça me dégoûte. Ah bah, vas-y, merci les wefs. Voilà. Ah ouais, 86% quand même, hein. C'est l'ami. Allez, bon courage les collègues. Oui, ah, mais oui. C'est des bons. Merci. Non, mais en vrai, Cathédrale Little Soul. Non, en vrai, oui. À quand une madame. Une tête de fou, GNK. Une madame Patrice. Hein? À quand une madame Patrice là? Parce que t'as quand même 30 piges là, c'est grave.
Attends, tu veux quoi toi avec ta chocolat? Un baiser la vie, je vois pas là. C'est une miskine genre, on est friendzone, je sais pas quoi. Tu vois pas, je vois ton regard là. Il est plein d'amour. C'est un baiser lui. Tu l'arrêtes là, je vois une Bugatti Veyron en reflet dans tes yeux, espèce de fou. Moi. Ah ouais, c'est un baiser, lui. Frérot, tu veux parler de moi, mais t'as 30 ans, t'as toujours pas de femme. Fais, trouve-toi un avenir. Trouve-toi un avenir, mais... c'est maintenant que ça se passe. Hey, on est pas en 1950 là, je crois que je vais me marier par force là, je vais attendre à trouver la bonne. Ouais, pourquoi y a un dictateur à l'époque là derrière là? Pourquoi y a un communiste là? Quoi, attends, mais. Quoi mais... Bah quoi, c'est monsieur procureur, c'est avec lui qu'on va faire la descente, tu veux qu'il te dise ou quoi? Bestama Attends, mais j'ai cru qu'il est dans le... j'ai cru qu'il est dans le... J'ai tant qu'il commence à lever la main comme un, s'il veut faire. Arrête. Non, non, tu vas trop loin, tu vas trop loin, tu... Non mais monsieur... Non. Bah quoi, j'ai dit non en allemand, arrêtez les gars, arrêtez. Non, commencez pas. Arrêtez, ça va devenir joyeux entre vous et moi. Bon, vous êtes prêts? Oui, il a été informé ou pas, monsieur? Non, on va l'informer une fois qu'on soit... Merci, il y a beaucoup de travail. On n'informe pas monsieur, on informe la propriétaire, sa sœur, Carla Montini. Ah, on doit fermer une femme, comment ça? Sa sœur, la grosse... Mais c'est un détraqué, lui. Il est fou. J'ai reçu des ordres et on va faire venir la police scientifique. On va faire un kebab. Enfin, d'enquête. Un kebab. Gouverneur qui a donné. On va faire un kebab, c'est bon. Gouverneur et capitaine. Mais oui, mais attendez, mais ça fait 3 jours qu'elle est ouverte la pizzeria. Mais ouais, mais bon, il y a une prise d'otage à l'intérieur, alors à des fins d'enquête, il faut pouvoir faire... En fait, ce que je constate, c'est que je suis parti 3 jours en vacances, elle était ouverte, je vois bien, je la ferme. Ils ont payé l'intérieur pour rien. ils ont vendu 3 calzones, c'est fini maintenant. Allez 50 balles. C'est 2-3 jours. On peut réquisitionner le bâtiment pour ouvrir une chicha, monsieur? Oui, bah oui, bien sûr, on va faire un aqua, oui, on va ouvrir un grec. Il est allé, il est parti voir le banquier, il a fait un point sur 2 ans, il a fermé au bout de cachou. Le mec, il va être endetté toute sa vie pour 3 jours de pizza. C'est une dinguerie. Il a fait un crédit sur 14 ans. Arrête, j'ai avoir des remords là, j'ai avoir des remords. Non, pas de remords, il voulait pas parler. Une voiture, vas-y. Ah oui, vas-y, prends une voiture. Il est là, il est avec moi ou pas, mon collègue 24, il est là? Je sais pas moi. Ah oui, mais il est où? Il est là-bas. Eh 24, viens avec nous, sale bâtard, va. Eh, moi bâtard. Oui. Bon, d'accord. Allez, gouin dans la chop les salopards ou. Ah là là. Moi salopard. Il a fait un crédit parce qu'il est tout pour rien. Ah ouais, c'est qui? Attends, oui, bonsoir, oui, oui. Allô? Oui, allô, oui, c'est qui, oui? Oui, c'est 16, on a un interrogatoire, tu viens ou pas? Oh merde, les gars. Oui. Allô? Ah putain, en fait, je suis à l'hôpital et... Ouais, bah ça tombe, je suis à l'hôpital en plus. Non, là je suis en réanimation, je ressors de dans la fusillade, il y a un mec qui il y a eu des débordements. Ah, je suis à l'hôpital du Nord là, du coup. Du Nord? Ah, toi aussi? Je suis là, bah je suis au deuxième étage, tu peux me voir là-haut si t'es là-bas toi aussi. Il est pas là-bas, j'espère. Oui, bon allez, viens. Oui. En vrai, si tu veux pas venir, dis-moi, mais t'inquiète. Non, moi tu connais mon frère, comme ils disent, hein, Wallah, mon frère. Mon frère, si je voulais pas venir, mon sang, ouais. Ma chair, mon sang, mon frère, toi tu vois, c'est mon frère, tu vois ce que dur, pas ouais. Mon 16, t'es mon frère, t'es mon... Voilà, ah ouais. c'est pour ça que tu t'as laissé mourir quand je me suis fait prendre l'otage. T'es mon frère, s'il y avait Haja... Mais tu me l'aurais dit de toute façon, s'il y avait Haja. Je te l'aurais dit direct, mon frère, si jamais je voulais pas, je te l'aurais dit, là, tu vois, c'est... Là, je suis... peut-être t'es ma veine. Ouais, bah je sais ça. Je t'aurais dit. C'est pour ça que tu vas venir. Oui, mais voilà, je t'aurais dit. Non, mais là, je peux pas, je suis blessé là. Ah. C'est très bien, c'est un embrouille, je saute pour toi. Ouais, tu sautes pour moi. Je saute pour toi, mon frère. Bah, vas-y, t'es quoi, on se rappelle quand t'es rétabli. C'est bon? Ok, ça marche. Dis bon rétablissement. Merci, t'es un bon mon frère. Allez, mon frère. Mon frère. Eh, les gars, venez, on teste RP et Shalgoumi pour voir si ça marche, les gars. Venez, on teste, les gars, on appelle le Bénise. On va tester, les gars. Pour 69. 10-4 actuellement au téléphone, j'arrive. Je vous fais une backup, merci de venir. Bénise, bonsoir. Oui, allô, monsieur, un appareil? Française pour les services spécifiques. J'ai rien compris, Bichou. Dans votre jeu, vous avez dit quoi? J'étais pas compris, il va falloir que tu me réexpliques, là. Alors, si pas, monsieur Bijou, si monsieur Halfani, monsieur Herboni. Oui, alors, je voulais... Alors, si pour savoir...
Moi, je dis plus que si Inch'Allah, je dis que si Franchallah. Parce que si, alors moi je pense que en fait si il y a un Syros, il a cassé ma voiture, un Syros avec des petites cornes ou bien des grands cornes. Eh bien si la Syros quand la Syros ça va nous faire le cul, vas-y roule. Quand la Syros il veut et qu'on a Syros et... Vous allez y arriver. Vas-y, il a pas la ref, les gars. Ça m'a cassé les couilles. Ça veut dans le cul. Eh, les collègues, y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je te parle sérieux, là, bijou. Y'a des gens, ils veulent vendre mon autre de balle, de fou malade, genre. Comment ça? En mode, bon, je t'ai fait rapid parce que toi, t'es jamais là, tu vas pas tout comprendre. Je t'ai fait un résumé, bref. En fait, y'a des gangsters qui nous donnent des informations, d'accord? Ouais. Ils donnent des spéta? Ok. Voilà, c'est ça. Okay, mais parce que nous, on a des bigs informations sur eux, donc c'est obligé de parler, sinon c'est prison. Ok? Ok, ouais. Donc à Bugsy et moi, ils ont donné des bigs informations sur d'autres gangsters ou ouais. Tout ce que tu veux. Et donc, ça s'est appuyé dans la rue. Ok. Et les gens, depuis ça, ils ont tué un Mayans déjà. Un Mayans qui coopérait avec nous. Ok. Un Mayans qui est mort, d'accord, un biker. Et là, depuis qu'il est mort, il y a v'là les voitures qui essaient de toper Bugsy et moi. Ah. On fait des get-get dès qu'on rentre dans le Sotos Custom. Vous inquiétez pas. Dès qu'on rentre dans le Sotos Custom, on sort, ça nous bloque les routes et tout. Ça essaie de nous péter à poison. Je vais rester avec vous, c'est carré. C'est carré. J'espère ce soir ça nous pète. Non, justement. Il faut pas que ça nous pète. Il faut vraiment pas que ça nous pète. J'espère. J'espère, Inch'Allah, ça vous pète. J'espère vraiment, j'espère du tout puissant, profond de mon cœur. J'espère. Inch'Allah, tu pètes le GTI. Je vais faire une doha de l'opprimé, tu vas voir, je vais contrer toi. Je te le dis, mon grand. Mais non, mais. Ce qu'on souhaite, c'est que le GTI. Arrête. Tout ce qu'on souhaite, c'est que. Comme le gueule. GTI. Arrête. Et un problème de radiateur et tu cailles ta race dans le. Ce qu'on souhaite, c'est que t'as un voyant moteur qui part plus. T'as le bâtard, va. Tenez comme ça, là. Que le turbo explose, tu peux rouler à 90 max. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tu ne fasses plus aucun top 1 sur Fortnite. Moi, tout ce que je vous souhaite, les gars, c'est j'espère que vous allez jamais évoluer dans vos vies. Pardon. J'espère de tout mon cas, tu finiras seul, sans femme. Moi, j'espère, toi, t'as 30 piges. J'espère 50 ans, tu seras en train de chercher une femme sur Tinder. Hey, j'espère que Choco, elle continue de te friendzone. J'espère que vous continuez à regarder ce mythe pour que ça alimente quelque chose. Alors qu'au final, tu la tamponnes. Ouah, non, arrête, abuse pas. Pardon, abuse pardon, pas, pardon. Frère, abuse pas. Que vous ayez. Abuse pas. Hein? Que vous fassiez vos affaires, pardon. Je vais commencer à sortir des trucs, hein. Ton pote qui va en Thaïlande, là. Hein? C'est qui va en Thaïlande? Qu'est-ce qu'il raconte? Qui va en Thaïlande? La vie de ma mère, il y a une discussion dans un sous-sol, les gars. Il y a une discussion dans un sous-sol, les gars. La vie de ma mère, commencez pas à rentrer dans ce terrain-là. Mon pote qui va en Thaïlande. Mais l'autre là, même il avait une Thaïlandaise. Ou Bali, c'était Bali. Oui, je m'appelle Louis. Bien sûr, pas de galère. Ah, pas de galère, ah ouais. 69. Oui. Moi, c'est pas ma vie. Ok. Il y a le Rookie 16 là qui t'attend pour. Oh putain, il me casse les couilles celui-là. 69 pour Rookie 16, j'arrive. Tu me gonfles. Tu me casses les couilles, t'as pas les couilles. J'arrive. Vous avez tout préparé? Ça va mettre à jour le 10 mat, s'il vous plaît. Excusez-moi, désolé, Eminem. Ouais, 69. Désolé, ça, 16. Ah, ça va? Ça va mieux, ouais. Parce que ma mère, parce qu'elle était. Tu vois, elle c'est. Bien, ouais, parce que. C'est important la famille. Tu sais, non, Jésus, c'est tout. Ah non, j'ai chef tu vois. Ouais, c'est bon. Ah, ouais, vas-y, viens. Vas-y, moi j'ai jamais fait d'interrogatoire, donc vas-y, tu ouais, sais très tout bien. De toute façon. C'était quoi le. Toi, tu vas juste refaire le dossier, tu vas refaire un petit topo. Bonsoir, Mamadou. Okay. Bonsoir. Alors, tu vas juste refaire le dossier. On va se calmer, un bijou. On est trois noirs, donc c'est bon. Oui, allez, bon. On n'est pas là pour hein. On n'est pas à la mosquée, s'il te plaît, collègue. Donc, s'il te plaît, tu vas nous faire un petit rappel de l'émission. Voilà, un débrief. Lui, là, c'est Cameron Jackson. Et c'était pendant... tu vois la fusillade à la Colina, là. Ouais. Contre la Rifa. Et en gros, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup... Donc, la fusillade, ok, très bien, collègue. Non. Je crois que c'est parce que j'ai tapé le capitaine. Ah oui, c'était la peau du capitaine. C'était la peau du capitaine. Vous avez tapé le capitaine. Alors pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Mais oui, pourquoi t'as fait ça? Hein? Pour sauver mes collègues.
Monsieur, éteignez votre game Fortnite là, s'il vous plaît. Ouais, parce que là. Concentrez-vous à Fortnite. Non, mais monsieur, mais ça y est, on entend des. Ça y est, tac, 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 tac. Ça y est, monsieur, ça y est. Attendez, je vais essayer de régler ça, attendez. Bah oui, régler ça, monsieur, minimum quand même. C'est, enfin, à un moment donné, un minimum de respect. Je vous parle, vous. J'ai cassé ma souris. Vous êtes en train de mougou en même temps, monsieur. C'est drôle ça. Non, un mougou, bite, c'est drôle ça. Okay. Ça y est, il a rigolé, regardez-moi. Là. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est très bien, monsieur. Alors, juste. Bon. Bon, ouais. Monsieur, pourquoi vous avez fait ça? Mais comme on l'a dit, pour sauver les collègues. Ok. Bah, très bien, TikTok. Ouais. C'est super, monsieur l'agent. Ok. Donc, pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Je vous ai dit pour sauver mes collègues. Ah bah c'est pas bien monsieur, c'est pas bien. Voilà, je peux prendre un 52, c'est limite hein. Bah c'est pas bien monsieur. Vous êtes affilié à un gang? Oh moi je suis un ouf. C'est à vous. Bonjour monsieur, vous avez quel âge? Ok. Et je vais d'arriver après hein, moi, je suis habitant, hein. Tranquille. Ok. Je fais une galoude. Ouais ouais, du coup il s'est passé quoi déjà? Adam 55. Non c'est trop, c'est trop. Faut arrêter. Ok. Et Clash of Clans et tout. Et monsieur, ouais, et donc Très. Et oui, bah monsieur, bah c'est pas bien monsieur de faire ça, hein. C'est pas bien. Et ça me procure de l'inspiration. Vous avez vu que Kémis, bah, était venu à Dubaï. Pour moi. Donc du coup, bah. Du coup, les filles, bah, moi je vais vous raconter. En fait, on a eu une discussion. On a une discussion et du coup, bah, moi j'ai dit tout ce que je pensais. Bah, monsieur, on va d'accord. Se sont rejoints, hey, monsieur, c'est fini ça. C'est fini de les bêtises, ouais, d'accord. C'est bon. C'est là. Fini, monsieur, moi, d'accord. J'ai eu peur, hein. plus jamais, ok. Voilà, c'est le meilleur. Très bien, j'ai bien compris. Bon, on va commencer l'interrogatoire. Non, on va commencer sérieusement. Alors, oui. Monsieur, alors, 1, 2, 3, on reprend. 1, 2, 3. On va ressortir le dossier, on va reprendre ça sérieusement. C'est donc, alors. Vous savez, je vais sortir de l'hôpital. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est. Hé, monsieur, ne commencez pas. Non, là, c'est sérieux, là. C'est sérieux, là. C'est sérieux, d'accord. C'est toi qui fais le coup depuis tout à l'heure, il faut être sérieux maintenant. Ouais. 99, 12. Capitaine, je veux patrouiller avec vous. Donc voilà, monsieur, oui, vous allez arrêter, donc oui, vous allez me dire, les armes sur le lieu de la de... C'est quoi, on m'a parlé? Oui, je demandais, est-ce que je veux patrouiller avec vous, je suis en 10-12. Oui, oui, on va refaire un... on va refaire un 19 général, on va refaire un... Yes un général, là. Yes. Vous venez tous au poste, là. Fermeture de la radio pour un interrogatoire. Voilà, ici. Non, pareil pour 16. Monsieur, c'est fini, on arrête les bêtises, monsieur, d'accord, c'est fini. Ici, là-bas. Monsieur, oui, j'ai pas compris. Oui. On arrête? Bah ok. Bah, bêtises. Bah fin d'interrogatoire. Merci beaucoup à vous, monsieur. Allez. Merci c'est bon, c'est moi. Bon, okay, c'est bon, c'est bon. Merci pour la convocation. Aïe. C'est mon collègue. Allez. Bah vous êtes libéré. Ouais. Vous êtes libéré. Il a un bracelet. Ouais. Là, vous avez. Ouais. On vous recontactera pour l'enlever. Venez, monsieur. Venez. Voilà. Vous allez devoir pointer tout ça. Voilà. Ouais. Voilà. Putain, les gars, vous imaginez ça? 69. De quoi? C'est ça, il doit pointer. Ouais, c'était ça, c'est ça, collègue. Mais l'interrogatoire, super, là, collègue, hein, super, vraiment. Ouais, super, franchement, efficace. Hey, tu peux m'enlever mon bracelet, là? Ouais, bah non. Déjà qu'on t'a mis aucune peine, tu fermes ta gueule, allez, sort. Voilà. Et je veux plus vous revoir, hein. 69. Wesh! Hé, toi, là! Je veux plus te revoir! Tête de neuil! Circule, va! On va plus. Oh merde! Oh, c'est Bijou! Oh merde, capitaine, merde! Ah, merde! Oh, non, on tape pas! Désolé, monsieur, désolé. Non, mais arrêtez de taper, Oh merde, pardon! Monsieur, relevez-vous là! Monsieur, relevez-vous! Oh! Non, c'est bon. Je vais vous attaper, capitaine. Oui, non, mais en même temps, je vais rouler dessus, c'est normal. Capitaine, je vais vous dire un truc sérieux pour de vrai. Lâche-moi. Non, pour de vrai, sérieux. C'est vrai, capitaine, sérieux. Vas-y, je t'écoute. Non, attendez. C'est un truc sérieux pour Dracat. Juste, vas-y. Là, vous allez bientôt ou pas prendre votre retraite? Bientôt, oui. Ok.
Et vous avez un truc après? Bah, je sais pas, justement. Et toi? Bah, non, du coup. Comme ça, je vais là. Il a vu qu'elle était pas normal. Ils sont mal les couilles. Eh, quand JL Tommy il va revenir, wallah il a adim. Si je me prends pas un ban, je danse pendant 5 minutes en live. Que de la danse. Un live, vraiment, je danse le live et je danse. Vraiment les gars, quand il revient, si je ne suis pas ban. Mais il est plus sur le live, j'espère d'ailleurs. Oh, j'ai oublié ça. Oh merde. Oh merde. Avant 5 minutes de live, je danse. Je crée une choré. En amont, je crée une choré. Il est là? Il est pas là. Non, il a dû laisser un PC allumé et vous le voyez qu'il est là, mais il est pas là. Enfin, je pense pas. Quand même pas parce qu'ils sont sur place là. Pardon, capitaine, je vous ai pas écouté. Tu sais, je vais t'enculer. Non, capitaine, non. Non. 5. De quoi? Non. Non, wow. Non, faites pas ça. Non, je mets du temps. J'ai un problème dans la tête. Capitaine, non. Non. C'est bon, j'ai compris. Il allait me kick. 22, il y a votre... 22, il y a votre graille, 22. Je serre les dents. Bah alors, comme ça, on va finir dans le 22. Oh putain. C'est pas sympa, ça. Allez, on lit les collègues. Oh, j'aime trop la police. Oh, j'aime trop. On est une famille. J'aime trop. On a la meilleure police de toutes les villes confondues. Et qui veut créer des dramas. Quoi? Ça va? Oui, ça va, et toi? Ça va. Capitaine, vous pouvez être fier de votre police. Ça a été ta course poursuite? Oui, mais ils ont capitaine, vous avez la meilleure police. La meilleure police de la Terre, capitaine. Ok. Vraiment, les collègues, sachez que vous êtes vraiment les meilleurs. Vraiment, les collègues? Vraiment, on a la meilleure équipe, les collègues. Regardez, Bobby, c'est handicapé, Ganongo, c'est un mélange, voilà, De quoi, Ganongo, quoi? On a un mélange, ça, Bobby, c'est qui Ganongo? 22, voilà, c'est un mélange, pas homophobe, homogène. Oh, c'est bon. Justement, on a un mélange homogène, c'est bien, on a une meilleure police. Et bijoux, vous comptabilisez toutes les minorités de la Terre et pourtant, on vous dit rien, donc... Est-ce qu'il y a un rookie qui n'a jamais encore négocié, qui souhaiterait négocier sur la banque, là, en cours? Oh bah 16, t'es très fort 16. Mais où est-ce qu'il y a une banque? Y'a rien. Oh non, 16, allez. Casse-toi alors. 99, t'as déjà négocié? Oui, pourquoi mon nom? Tu veux négocier? Tu veux négocier? Non. Les gars, je vais me prendre une crêpe, j'arrive. Tu vas tirer dessus là. Vous allez négocier et vous allez me faire toute la paperasse derrière, ça vous apprendra. Oh, il vient de péter en plus, il est dégueulasse. Vous allez négocier. Qui c'est pour accompagner Seydou pour la négociation à un officier de minimum? Moi, je peux le faire s'il faut. Allez, 8-8. Tiens, je vous donne 200 lingots. Qui veut une crêpe, les gars? J'en ai deux. Une petite crêpe. Alors, une petite crêpe, les collègues. Une petite crêpe, les gars. Oh merde. Bah, 8, j'ai dit. Une petite crêpe, les gars. 80, il est pas là. Qui veut une crêpe? Une petite crêpe. Eh bah non. On est derrière un écran. Personne aura de crêpe. Et non, les gars, c'est faux. C'est pas la réalité. C'est un live. Hop, y'a que moi qui va manger comme un gros porc. Voilà, allez hop. Donc, personne aura ça. Personne, les gars. Personne. Que moi, les gars. Allez, à Mexico. Oh, malinti. Mais il est malade. Mais il est malade. Quatre vainous, elle est en train de se faire braquer, monsieur. Oh. Oui, nous arrivons, madame. Le CSP a bien pris un temps de votre demande. Carnet qui fait un... Du coup, canular, quoi. Oh mon dieu. Vous, là, C'est illégal, vous avez... Non, bref, très bien. Continuez à l'écraser, mais bientôt mourir, l'Inch'Allah. Continuez. Ta gueule. Merci, Généat, pour deuxième mois. Accompagné de 92. Regardez les gars le move que je vais faire là, regardez les gars, je vais tout casser le dispatch. Allez que ça saute là, allez 23, vous allez aller avec Bugzouille. Les gars, est-ce que vous savez ce que je vais faire ou pas là? 23. On prend une torrent, ok? Y'en a qu'on dit. Oui. Puis. Avec 22. Avec 22. Oh mais moi je vais faire un 10-10 moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah pardon, désolé. Ah merde. Bah oui. Bah pardon, désolé. Mais 22. Bah demain on peut ou pas? Patrice avec 22. Jusqu'à pas du bon. 22 demain on fait?
Je suis déçu, Bijou. Mais non, mais j'avais dit 10-10. Tranquille. Des sessions de 2-0 en fait. Moi, oui. Avec 50. Ça y est, t'as normal. Et Scarlett, donc ça, faut être attendu. Non, dès que je m'amuse plus, bah je pars. Ok. Madame, j'ai 4 ans, il est arrivé sur le dernier. Là, je me suis bien amusé, j'ai bien rigolé. Maintenant, ah, du coup, là, tu te fais chier, tu t'en vas quoi. Non, je me fais pas chier, mais c'est en mode, bah il est minuit quoi. Mais y a pas de non, mais non, mais non. Mais là-haut, tu m'as fait tomber là-haut, connard. On va te surnommer Cendrillon. Vous laissez passer Radio 2 pour le braquage de banque. Lâche-moi, toujours lâche-moi. 4. Non. Non, capitaine, regarde ce qu'on va faire, regardez. Non, capitaine, regarde, faites-moi confiance, capitaine. Non, non, mais viens, je te parle avant, en tout sérieux en plus. Ah, pour de vrai ? Après, tu feras ce que tu veux. Ah, vas-y, ok. C'était vrai, tu étais sar pour le tournoi ou pas ? Ah, oui, ah, putain. Les collègues, non, mais c'était vrai ou pas ? Mais il y a JL Tommy, il m'a dit aussi, il était chaud. C'est vrai que. Ok. Et en termes de fame, bah. Mais capitaine, vous êtes malade! Oh, capitaine, s'il vous plaît, encore une fois, capitaine! Pitié, encore une fois! Non, une dernière, Non, une dernière! Attends, vas-y! Vers l'infini! Hello 2! Hello 2! Hello de vie! Hello 2! Capitaine! Ah là là! Mais c'est trop bien, mec! 65, 19, les... 60, aïe! Même pas mal!